Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Charvieux-Chavagneux, bienvenue en direct, surtout sur Télé Grenoble, sur Vélo Plus TV, sur Direct Vélo, sur YouTube, toutes les plateformes possibles pour vivre ensemble cette nouvelle édition de l'Alpizer Tour. Départ de la première étape qui a été donnée il y a quelques instants, un Alpizer Tour que nous allons rebalayer en quelques mots avec mon ami Jean-Claude Noyer, puisque on s'apprête à vivre une édition formidable encore une fois, une édition fidèle à ses valeurs, une édition qui va monter en puissance aujourd'hui avec une première étape autour de Charvieux-Chavagneux et surtout un parcours, Jean-Claude, qui va nous emmener tout au long de la semaine petit à petit vers la montagne. Oui, tout à fait. Effectivement, cette première étape longue de 146 km, assez tout autour de Charvieux, est une étape sans grande difficulté majeure. Ces difficultés, elles vont aller crescendo déjà dans l'étape numéro 2 de demain entre Saint-André-le-Gaz et Fours. La distance sera pratiquement identique première à celle d'aujourd'hui. De... L'étape numéro 3 donc, va nous permettre de rejoindre l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à Colombier-Saunieu. Distance totale de 175 km pour l'étape 3. La quatrième étape, donc, dont le départ sera donné à Monsteroux, verra une arrivée à Saint-Maurice-Exil après 183 km de course et l'ascension du col du Petit Mont Noir, 13 km à plus de 8% d'ascension. C'est une réelle difficulté. On sera là, Lilian, dans le domaine du Vercors. Et qui dit Vercors dit effectivement déjà montagne. Mais effectivement, ce ne sera rien par rapport à la cinquième et dernière étape entre Saint-Thibault-de-Couze et Saint-Pierre-de-Chartreuse. C'est la Chartreuse et tous les cols, les grands cols de Chartreuse, avec une épreuve de 161 km. Un beau menu au programme. Cinq étapes que nous allons vivre tous ensemble, alors que vous voyez sur les images, eh bien, le parcours du jour, le parcours tracé autour de Charvieux-Chavagneux, les balcons du Dauphiné qui sont le théâtre de cette première étape de 145,9 km avec un circuit final qui permettra aux spectateurs présents sur place eh bien, d'admirer à plusieurs reprises les coureurs, le profil qui s'affiche à nouveau pour une étape, on l'a dit, sans grande difficulté, une étape dont on a l'habitude, c'est vrai, de voir s'achever par un sprint massif. L'année dernière, c'est d'ailleurs le coureur allemand Henry Ulich qui s'était imposé, lui qui est encore présent au départ sous les couleurs de la formation Alpenine de Koenig, la formation Alpecine de Koenig, donc Development, qui est aligné et peut-être pour une nouvelle victoire allemande. On le verra tout à l'heure aux alentours de 17h15 pour le final. Le départ, lui, a été donné en revanche à 14h. Départ donné fictif pour 1 km 600 par Monsieur le maire de Charvieux-Chavagneux qui libérait les coureurs avec eh bien, les couleurs locales aux avant-postes, celle de la formation de National 1, le plus haut niveau amateur dans lequel évolue justement le Charvieux-Chavagneux Isère Cyclisme qui a eu donc le loisir de s'élancer en première ligne pour ce départ donné fictif. Le départ réel, ensuite, le baisser de drapeau a été donné à vive allure. On a vu les premières offensives. C'est vrai que 146 km, c'est une étape qui va être courue à très, très vive allure. Et on va retrouver dans un instant les images. On va filer en cabine parce que l'étape est partie forte. On a déjà quelques coureurs en tête. On va y revenir dans un instant, juste après avoir entendu les mots de Monsieur le maire, Monsieur Gérard Desampes, qui nous accueillait pour le départ et qui se prépare à un superbe final. À Michel Baupe, et je crois qu'il faut rendre hommage à tous les bénévoles qui entourent Michel Baupe. Cette épreuve qu'il a lancée il y a une trentaine d'années est remarquable, elle sait mettre en exergue toutes les valeurs de l'Isère. Et maintenant que l'ensemble de l'Isère est venu rejoindre le territoire du Nord-Isère, cela permet d'avoir une vision globale de ce si cher Dauphiné que nous aimons tant. Nous avons la chance d'avoir une équipe en National 1. Nous travaillons depuis des années et je ne manquerai pas de penser à l'ancien président Daniel Calabrin qui a été président pendant 50 ans, 49 ans exactement, de ce club. Nous avons des champions de France, nous avons même un champion du monde et je salue Laurent Biondi puisqu'il nous accompagne et nous échangeons régulièrement avec lui. C'est vrai que c'est une tradition et ce sport cycliste mérite d'être soutenu tant il est vrai que ce sont des efforts remarquables et un véritable exemple pour notre jeunesse. Alors l'équipe participe à l'Alpizer Tour. C'est vrai que nous avons gagné avec David Panier l'Alpizer Tour une année. C'est vrai aussi que nous essayons de figurer. C'est une épreuve de très haut niveau et je crois que maintenant elle rayonne et c'est l'épreuve qui manquait au département de l'Isère. Le Nord-Isère a su la créer, le reste de l'Isère a su l'adopter
Merci pour le sport cycliste. Aujourd'hui, un rendez-vous est donné le 24 mai pour la première épreuve. Nous nous retrouverons à Charvieux-Chavagneux et bien sûr, ça permettra de lancer cette épreuve qui, comme à l'habitude, j'en suis convaincu, sera une réussite. Voilà, donc nous sommes en direct maintenant dans cette première étape. Je rappelle donc, elle est longue d'un peu plus de 145 kilomètres. Cette étape donc tracée dans le nord du département de l'Isère, dont le départ a été donné à Charvieux-Chavagneux. Et l'arrivée aura lieu d'ailleurs ici même à Charvieux-Chavagneux, où le public d'ailleurs est en train de rejoindre en nombre cette très belle ligne d'arrivée donc sur Charvieux-Chavagneux. 5 hommes actuellement donc en tête dans cette première étape. Je rappelle que nous avons d'ores et déjà gravi la côte de l'étang de Riz qui était au kilomètre 27. Et cette première difficulté, donc comptant pour le Grand Prix de la Montagne, a vu le passage au sommet de Jordi Warlop de la Soudal. Deuxième donc est passé Noah Isidore, le coureur de Nantes Atlantique. Et en troisième position, Nicolas Aigues, le coureur de la Uno X, qui marque lui aussi des points, puisqu'il y a 4 points au premier, 2 points au deuxième et enfin 1 point au troisième dans les côtes de troisième catégorie. Il y aura une deuxième difficulté donc dans cette première étape, c'est la côte de Dolomieux. Et la troisième et dernière difficulté, c'est la côte de Saint-Chef en Dauphiné. Là, par contre, nous aurons effectivement à Saint-Chef une côte classée en troisième catégorie. D'ailleurs, c'est une difficulté un peu plus sérieuse que les deux premières. Et on est justement dans cette côte de Dolomieux maintenant. Et à moins de 3 km du sommet, pour une tête de course de 5 coureurs, vous voyez leur nom qui s'affiche à l'écran, on retrouve pour la formation Elkov Casper, Michael Boros, présent à l'avant, Jordan Abetz pour la formation Metex Solarwatt, Artiem Schmidt pour la formation Hagens Berman, Pepine Rendering pour la formation Soudal Quickstep Development Team et Nicolas Aigues pour la formation Uno X qui sont présents à l'avant. À une dizaine de secondes, on va retrouver un autre groupe avec le Français Victor Jean sous les couleurs de la formation AG2R Citroën. On aperçoit ici Joshua Golliker pour la formation Groupama FDJ qui essaie de revenir sur quelques coups de pédale, revenir au commandement à l'avant de la course puisqu'on a été distancé. Avec Milan Kladek pour la formation DSM, avec Alistair McKeller également pour la formation Israël qui sont relégués au deuxième échelon de la course. Le peloton est à 50 secondes. Et c'est parti effectivement sur les chapeaux de roue, hein, sans faire de jeu de mots bien sûr. C'est parti très très vite puisqu'on est dans la plus haute moyenne actuellement de cette étape. C'est vrai que il faut rappeler que c'est une étape qui ne présente pas de grandes difficultés. Il y a, je le rappelle, donc seulement trois ascensions vraiment ce sont plus des côtes que des cols d'ailleurs. Donc une étape, je dirais, relativement facile. Le vent pour le moment est favorable et ça explique effectivement peut-être la moyenne de cette première étape, alors que nous sommes maintenant à seulement 2 km du sommet de la deuxième difficulté du jour, donc cette côte de Dolomieux. Je rappelle que le sommet de la côte est au 81e kilomètre donc de cette étape qui en comporte, on va dire, 146 finalement, pour être plus simple. Voilà donc la situation, toujours donc 1, 2, 3, 4, 5 coureurs dans cette première échappée du jour, avec les dossards, donc notamment les 53, le 92, c'est Nicolas Aigues, donc qu'on a vu très à l'aise dans l'ascension de la côte de l'étang de Riz. Il est d'ailleurs le seul des trois coureurs qui sont passés au sommet de la première difficulté du jour à figurer dans cette échappée. Et Nicolas Aigues, effectivement, semble particulièrement à l'aise au sein de cette échappée. On s'entend, je le dirais, on s'entend bien finalement. Hein. C'est classique dans cette première étape d'Alpes-Isère Tour de voir des échappées. Oui, avec un deuxième et troisième groupe où l'entente est un peu moins bonne. Hein. Jean-Claude, puisqu'on voit dans ce troisième groupe ici à l'image, alors soit on compte les coups de pédale, soit déjà on se sent un petit peu à bout de souffle parce qu'effectivement, à l'avant, on ne se relève pas. Et on a vraiment cinq coureurs qui sont en train de creuser maintenant. Il n'y a que le coureur de la Groupama FDJ, hein, Joshua Golliker, qui était intercalé mais qui ne parvient pas à revenir maintenant. On est ici au troisième niveau de la course avec Victor Jean
lui qu'on avait vu briller sur le Tour du Beaujolais l'année dernière, déjà sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui essaie de relancer la machine. Mais ici, c'est loin d'être gagné, parce que c'est vrai qu'à l'avant, eh bien, les relais sont appuyés. On retrouve justement ici un relais très important du côté de la formation Metec Solar Watt pour essayer de donner vie à cet échappé. C'est Jordan Abetz qui emmène le reste du groupe, et on va certainement aller se disputer les points. Ils sont sortis à une dizaine de coureurs, ils ne sont déjà plus que 5 à l'avant, le peloton pointe à 1,05 et regardez cette image, eh bien, sur le groupe intercalé, visiblement l'entente n'est pas au mieux, puisque Alistair McKellar ici va prendre un relais un petit peu timide. On a senti que Victor Jean était un petit peu à bout de souffle, donc je ne serais pas surpris de voir revenir le peloton assez rapidement derrière eux. On rappelle qu'on a encore un homme intercalé entre ces deux petits groupes. La situation donc avec 5 coureurs à l'avant, un coureur au deuxième échelon, le trio que nous avions ici à l'image. Et ici c'est bien le groupe de tête, sacré effort hein, de Joshua Golicker, Jean-Claude, que l'on aperçoit ici au fond pour la formation Groupama FDJ Continental, qui est finalement sur le point de revenir peut-être sur ce groupe de 5. Oui, tout à fait, effectivement, donc la jonction est presque faite, puisque l'écart est de quelques dizaines de mètres maintenant entre le quintet qui mène cette première étape. Donc peut-être donc la jonction dans quelques hectomètres, je pense, maintenant. Donc toujours Niklas Hegg qui fait un travail donc vraiment vraiment important au sein de cette échappée. Comme vous le voyez, donc l'écart entre les hommes de tête et le peloton est de 1 minute et 5 secondes, alors qu'il reste un peu plus de 65 km à parcourir avant l'arrivée. Voilà donc le passage au sommet. Passage au sommet avec le sprint, et c'est du côté de la formation Quick Step que l'on va aller prendre les points, prendre le maximum de points pour l'homme de tête ici, pour cette formation Soudal Quick Step Development. C'est Pépin Rendering qui vient chercher les précieux points. Comme quoi, cette côte de Dolomieu, effectivement, on l'a avalée pour aller chercher le maximum de points au sommet. Derrière, il n'y aura plus que des miettes pour les autres côtes classées en quatrième catégorie. Mais c'est un moyen d'exister déjà dans ce classement, alors qu'on est déjà de retour hein, avec le peloton qui vient de rentrer sur le trio de Victor Jean, notamment pour la formation AG2R Citroën. Kladek a été repris, McKellar a été repris. Ça va être un petit peu plus clair maintenant. 5 coureurs en tête. La jonction imminente, on l'espère pour lui, pour le coureur de la formation Groupama FDJ Conti, c'est Joshua Golicker. Et derrière, eh bien, le regroupement qui s'est effectué avec un peloton qui vient à son tour passer le sommet, à peine une minute derrière l'échappée. Donc en ce qui concerne le classement de la montagne, classement intermédiaire bien entendu, puisqu'il nous reste encore la troisième et dernière ascension, celle de Saint-Chef-en-Dauphiné. Actuellement, nous avons deux hommes en tête pour le classement du maillot violet CCI Norisère, à savoir donc Jordi Warlop qui est passé en tête au sommet de l'étang de Rie, et puis Rendrick, le coureur donc qui porte le 243 et les couleurs de la Soudal Quickstep Development Team, qui lui aussi donc compte 4 points, deux hommes ex aequo effectivement dans ce classement intermédiaire. Et les deux hommes qui s'étaient fait un petit peu la peau pour aller chercher les points, qui ont hésité, est-ce qu'on continue tous les deux, est-ce qu'on attend nos anciens camarades d'échappée. Eh bien pour l'instant on a l'air d'appuyer un peu, même si on prend le temps de se ravitailler. On rappelle l'identité de ces deux hommes en tête, l'un pour la formation Soudal Quickstep avec Pépin Rendering qui est allé chercher les points, et accompagné ici d'un garçon pour la formation Metec. On est en train de revenir hein, avec le reste de l'échappée, avec Joshua Golicker qui va faire la jonction malgré tout pour la formation Groupama FDJ. 6 hommes que nous allons donc retrouver en tête maintenant, toujours une bonne minute d'avance sur le peloton, et les 5 sont maintenant à 6. Voilà, donc on va dire effectivement que c'est un scénario un peu, j'allais dire, classique de cette première étape. On assiste très souvent effectivement à la formation d'échappée, à un petit comité, on va dire 4, 5, 6 coureurs.
Et c'est vrai que souvent, la jonction avec le peloton, ou en tout cas les poursuivants immédiats, se fait donc sur le circuit d'arrivée ou aux abords du circuit d'arrivée. Je rappelle que ici, au terme de cette première étape, le circuit est très court. Hein, c'est un circuit de 4 km à effectuer 3 fois. C'est vrai que c'est extrêmement court et assez rare. Les circuits d'habitude font plutôt autour de 10 km. Là, on a un circuit tout plat, mais effectivement très très court. Et ça va aller très très vite dans ce final, alors que nous ne sommes plus que maintenant un peu plus de 62 km du terme de cette première étape. Et ça signifie donc qu'on entrera sur le circuit dans 50 km. Déjà les coureurs qui feront un premier passage sur la ligne, il restera 12 km, puis 8, puis 4, puis le sprint final qui avait souri l'année dernière à l'allemand Henry Ulich. Pour l'instant, les 6 hommes de tête qui continuent leur marche en avant avec Michael Boros, Niklas Seck, Jordan Abetz, avec Ryan Schmidt pour la formation Against Bermain, Pepijn Reinderink est également présent pour la Soudal Quickstep Development. On rappelle qu'on a beaucoup d'équipes de développement. Alors qu'est-ce qu'on appelle une équipe développement ? Ben, tout simplement, c'est les équipes qui évoluent au niveau continental mais qui servent de réserve finalement au World Tour. Donc le maillot de la Soudal Quickstep, on a l'habitude de le retrouver en World Tour. Et bien là, c'est son équipe continentale que l'on accueille. En France, on en a maintenant l'habitude avec une équipe qui fait des merveilles justement en World Tour et en continental. C'est la Groupama FDJ, puisque l'équipe World Tour, vous la connaissez. L'équipe continentale, eh bien, il est là sur l'Alpizère Tour et avec un représentant justement à l'avant de la course, Joshua Golliker, qui est présent dans ce groupe de tête, qui a fait la jonction, le Britannique qui a 19 ans seulement, qui avait remporté une belle course sur les routes françaises l'année dernière. C'est le Tour de la Vallée de la Trembouze, disputé autour de Cours-la-Ville dans le département de la Loire. Eh bien, Golliker est déjà dans le peloton ici de l'Alpizère Tour et en tête de course. Oui, c'est assez étonnant hein, de voir que dans le cyclisme international maintenant, on rajeunit de plus en plus les effectifs et que, effectivement, on le disait au départ de cet Alpizère Tour 2023, la moyenne d'âge des coureurs est de 21 ans et 8 mois. Effectivement, on voit des très très jeunes coureurs, 19-20 ans. Rappelez-vous l'année dernière, la présence de Romain Grégoire, 19 ans, qui avait donc terminé deuxième de l'Alpizère Tour 2022. Et qui cette année donc, vient de remporter les 4 jours de Dunkerque à l'âge de 20 ans. C'est quand même assez exceptionnel. Et jamais donc, dans cette grande épreuve que constituent les 4 jours de Dunkerque, on avait vu un coureur aussi jeune pouvoir l'emporter. En tout cas, Romain Grégoire montre que l'Alpizère Tour offre un très très bon niveau et que ces équipes donc, qui sont effectivement comme... on le disait tout à l'heure, donc les équipes réserves des teams Pro Tour sont effectivement promises un très très bel avenir. Aujourd'hui, donc dans ce peloton de l'Alpizère Tour, j'ai calculé qu'on avait 85 coureurs professionnels et pas moins de 15 équipes Pro Team et continentales UCI, bien sûr. 8 équipes qui représentent le peloton amateur, mais le peloton amateur est en infériorité, notamment numérique, par rapport aux coureurs professionnels. L'Alpizère Tour, c'est une épreuve donc classée en 2.2 au niveau de l'Union Cycliste Internationale, qu'on appelle traditionnellement bien sûr l'UCI. C'est juste un échelon en dessous des grandes épreuves. Tout à fait, et ces épreuves de classe 2 qui sont souvent là. L'occasion de la rencontre justement entre des amateurs, des coureurs amenés à fournir les rangs professionnels dans les années futures et puis des coureurs un petit peu plus expérimentés ou qui évoluent déjà pour une partie de l'année et bien dans les épreuves pro. Donc cette rencontre elle est toujours intéressante pour voir éclore justement de jeunes talents. L'année dernière on se souvient qu'un Thomas Devaux en amateur avait particulièrement bien figuré, lui qui évoluait d'ailleurs sous les couleurs de l'équipe Charlieu Chavagneux Isère Cyclisme, qui était allé chercher une belle place au classement général et qui est aujourd'hui professionnel dans les rangs de la formation Saint-Michel Mavic Aubert 93. Et puisqu'on parle des amateurs, et bien justement c'est cette fois-ci du côté du vélo club Villefranche-Beaujolais que l'on met un petit peu le feu aux poudres à l'avant du peloton pour essayer de réduire l'écart avec toujours une grosse minute hein, en la faveur de l'échappée. Mais ce groupe de deux coureurs qui est en train de sortir, on va tâcher de les identifier rapidement, mais en tout cas les couleurs du vélo club Villefranche-Beaujolais qui se portent maintenant à l'avant, alors que l'entente en revanche en tête de course elle semble, j'allais dire, encore de mieux en mieux. On n'hésite pas à mettre la main à la pâte, alors que nous on avait 1.05, l'Ardoisier annonce 1 minute, un écart qui reste particulièrement modeste.
Oui, tout à fait. C'est vrai que on ne creuse pas. On va dire que le peloton donc les a vraiment à l'œil, hein, ces échappés. Et on ne creuse pas de véritables écarts. Dans des années précédentes, je me souviens qu'on avait eu des échappées avec 3-4 minutes. Là, c'est difficile, effectivement, de pouvoir prendre plus de la minute. Et je pense que les consignes au niveau des directeurs sportifs, effectivement, ont été claires. Ne pas laisser, effectivement, l'Alpizère Tour, je dirais, voir pratiquement un quasi-vainqueur dès la première étape. Et c'est tout à l'honneur des coureurs, qui se rapprochent, il faut le dire, de Saint-Chef en Dauphiné. Donc Saint-Chef en Dauphiné, c'est la troisième difficulté du jour. Une côte qui est longue de 2 600 km, qui est classée en troisième catégorie. Et nous y serons maintenant dans quelques kilomètres, voire hectomètres. C'est vrai que c'est là aussi où va se disputer, effectivement, vont se disputer les derniers points de la journée pour le Grand Prix de la Montagne. Je rappelle que ce Grand Prix de la Montagne, il est parrainé par la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Isère et que c'est un maillot distinctif de couleur violet que portera donc le leader ce soir ici sur la ligne d'arrivée à Charvieux-Chavagneux. Alors que le groupe Intercalé qui est pointé à une minute est donc composé de deux coureurs, un Israélien avec Roy Van Berg, lui qui termine sixième d'étape sur les routes du Tour du Rwanda au début d'année, et avec lui le champion Auvergne-Rhône-Alpes amateur, c'est Anthony Chamerat-Dumont, lui qu'on avait vu briller sur le Tour de la Vallée Montluçonnaise sous les couleurs du vélo club Villefranche-Beaujolais, champion Auvergne-Rhône-Alpes dont il ne porte pas les couleurs aujourd'hui, on est chez les professionnels malgré tout, et donc il a dû conserver le maillot habituel du vélo club Villefranche-Beaujolais, un coureur brillant en cyclocross également qui était rentré dans un top 10 de championnat de France et qui ici tente d'accompagner l'Israélien Roy Van Berg, le peloton qui veille au grain juste derrière, et la tâche qui s'annonce compliquée pour revenir sur cette échappée, mais voilà, on essaye d'exister en tout cas dans cette première étape parcourue à vive allure. On voit qu'on n'a pas beaucoup débranché depuis le départ tout à l'heure donné à 14h, et en tout cas du côté de la tête de course on ne débranche absolument pas avec les relais qui tombent petit à petit. Le relais tout d'abord pour Artem Schmidt, l'Américain qui appuie particulièrement ici son relais, 19 ans seulement, on parlait des très jeunes, et bien il en fait partie, lui qui avait brillé sur les routes croates du trophée du printemps d'Istrie, à très belle épreuve, à peu près du même niveau que l'Alpizère Tour, alors que l'on retrouve ici à l'image le Danois Niklas Egg pour la formation Unox. On rappelle que dans ce groupe, on retrouve également pour la Soudal Quickstep Pepijn Reinderink qui a mis une option sur le maillot du meilleur grimpeur. Pour la groupe AMA FDJ, Joshua Golicker, le Britannique, qui est présent à l'avant de la course. Pour la formation Elkov Kasper, la République tchèque, représentée par Michael Boros. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon de cette échappée avec Artem Schmidt qui semble bien en jambe. Attention à ne pas trop en faire dans cette équipe Hagen Bermans. Facile à dire, en même temps il faut bien la faire vivre cette échappée. Et c'est vrai qu'avec une minute d'avance, eh bien on ne peut pas trop compter les coups de pédale encore. Tout à fait. En tout cas, ce qu'il faut souligner, c'est le côté tout à fait international de cette épreuve, de ce tour qu'on appelle l'Alpizère Tour aujourd'hui. À preuve, cette échappée est composée de coureurs hollandais, tchèques, américains avec Schmidt, danois avec Niklas Egg, hollandais avec Abetz, anglais avec Golicker. Vous voyez que c'est vraiment une épreuve très très internationale. Il n'y a pas moins de 20 nations présentes au départ de cette 32e édition de l'Alpizère Tour, ce qui en prouve, je dirais, la valeur et la qualité d'ailleurs intrinsèque de cette épreuve. Et il est clair qu'on va effectivement chercher une victoire de prestige dans chacune de ces 5 étapes, en particulier cette première étape, puisque le vainqueur, il faut quand même le rappeler, portera ce soir le maillot jaune de leader, le maillot du département de l'Isère, unique partenaire donc de ce maillot de leader, alors que l'écart s'est sensiblement creusé, hein, Lilian, entre les hommes de tête et le peloton, 1 minute 15, et sur le deuxième groupe intercalé, donc il y a 1 minute, c'est-à-dire que Anthony Chamerat-Dumont aura du mal à effectivement faire vivre sa tentative d'échapper. C'est vrai que vous le voyez, le peloton derrière est à quoi ? À 200 mètres ?
À peine, hein, va à peine. Pour ouais. Le peloton emmené par les grosses armadas de cet Alpizère Tour. Enfin, voilà, on se jauge un petit peu. C'est l'occasion, cette première étape, de voir comment répondent les jambes, notamment face aux équipes professionnelles. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que l'écart est plus que modeste. Un écart qui reste modeste également vis-à-vis de la tête de course. Hein, à peine plus d'une minute. Ça ne pèsera pas lourd tout à l'heure si les sprinteurs décident de mettre en route. Mais ce groupe de 6 qui vit particulièrement bien, malgré tout, on voit que tout le monde met la main à la patte, alors que tout le monde met la main à le vent, ce sera mieux comme ça, alors que en tout cas le vent est aussi important aujourd'hui, puisqu'on on a vu que ça soufflait, et on le voit hein, dans cette échappée, les relais tombent rapidement, on est vraiment sur la partie droite de la route, l'éventail qui se crée pour essayer de s'abriter au maximum, de récupérer entre chaque relais, mais à 6 forcément eh bien, on récupère moins bien qu'à 120, et le peloton ils sont encore 120 avec les crocs justement pour en découdre tout à l'heure. Chapeau quand même à ces deux garçons qui font une belle apparition, donc intercalé, Anthony Chamerat-Dumont on le rappelle pour le Vélo Club Villefranche-Beaujolais, et avec son collègue d'échappée maintenant, Roy Van Berg, l'Israélien de 22 ans. Oui, en tout cas, ils se font mal. Hein. Franchement, maintenir comme ça un écart d'un petit peu moins de 200 mètres sur un peloton lancé à leur basque, vraiment, c'est un effort qui est très difficile. Est-ce que c'est une tentative, je dirais, vouée à l'échec? C'est possible, hein, parce que le peloton vraiment les a en point de mire. Alors que nous sommes seulement à 54 km maintenant de l'arrivée, que nous approchons, je rappelle, de la côte de Saint-Chef en Dauphiné. Nous serons au sommet dans 6 km environ. Les coureurs ensuite redescendront sur Montcara pour traverser un des fiefs du rugby à 15, qui est la ville de Saint-Savin, puis Saint-Marcel, bel accueil, où aura lieu la dernière prime offerte par les balcons du Dauphiné, la traversée ensuite de Panossa, puis l'entrée, bien sûr, tout près de Colombier-Saunieu, sur ce circuit final d'arrivée, je rappelle, donc, à parcourir 3 fois, donc un circuit de 4 km. Distance bien sûr de ces circuits finaux, 12 km. Voilà, donc Anthony Chamerat-Dumont donc, est en train de se faire reprendre par le peloton. Et l'écart semble se creuser quand même entre les 6 de tête et le peloton. On nous indique là donc 1 minute 30, hein, Lilian. Et le signe, c'est justement que les véhicules de directeurs sportifs commencent à monter à hauteur de l'échappée. Le petit point réglementaire, hein, puisque les véhicules des directeurs sportifs, les véhicules d'équipe représentés à l'avant, peuvent aller voir leur coureur à partir du moment où il y a 1 minute d'écart. Donc là, on a jugé que l'écart était de plus d'une minute et qu'il allait le rester, vu qu'on commence à avoir les directeurs sportifs qui montent à hauteur de l'échappée. En revanche, à l'avant du peloton, attention aux petites cassures. Hein, on voit un gros groupe qui est en train peut-être de sortir. On avait quelques mètres d'écart, on a pris un petit peu le vent derrière. On a vu des coureurs sprinter pour revenir dans la roue, et l'écart qui est d'une minute trente, est-ce qu'il va le rester longtemps? Ça, on le verra, mais en tout cas, là c'est dommage. On avait une dizaine de coureurs peut-être pour peser, c'est peut-être trop, on s'observe un peu encore. Ben, c'est vrai qu'on se retourne trop, à mon avis. Hein. Tous les coureurs donc, qui sont dans cette cassure, ou presque, ne font que se retourner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entente au sein de cette cassure. Et on le voit tout de suite. C'est vrai, la mésentente règne. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, donc, ce groupe aura beaucoup de difficultés à creuser l'écart, à moins que un ou deux coureurs ne s'en extirpent. Mais c'est vrai que quand on veut effectivement partir, il faut aller la chercher. Hein. C'est vrai que l'échappée, ça se fait pas comme ça. Et il est clair que là, on voit le peloton qui veille au grain, hein, tout simplement. C'est vrai qu'on a laissé filer un groupe de 6, et ce sont 6 coureurs solides, hein, bien entendu. 6 coureurs qu'il va falloir aller chercher dans les derniers kilomètres. En tout cas, l'entente au sein de l'échappée est parfaite. C'est vrai qu'on voit les relais qui tombent régulièrement, tous les 300-400 mètres. C'est pas tout à fait le cas donc, au sein du peloton. Là, on se regarde hein, dans le peloton pour l'instant. On semble, j'allais dire, maîtriser un petit peu cette situation. Lyon, on voit vraiment donc le peloton tient toute la largeur de la route. Route qui est d'ailleurs très large à l'endroit où il se situe. Et c'est vrai que bon, on n'a pas l'air, je dirais, d'aller vouloir les chercher. Il est clair aussi que le classement du Grand Prix de la Montagne, il est fait. Hein, c'est un classement intermédiaire. Les classements aussi pour les sprints de bonification, ben, ils sont pratiquement faits. Ça veut peut-être aussi dire quelque chose. Hein. Ah, il
va rester donc là quelques façons d'exister, quelques points à prendre. Mais c'est vrai qu'on le voit ici, cette hésitation, c'est Lennart Van Etvelt qui était ressorti pour la formation Lotto Destiny. Lui qu'on voit régulièrement évoluer en World Tour avec l'équipe Lotto que vous connaissez là aussi. On est avec l'équipe Conti sur cette Alpizer Tour, mais Lennart Van Etvelt qui est redescendu d'un petit niveau. Lui qu'on avait vu terminer aux portes du top 20 sur la Flèche Wallonne, même sur les classiques ardennaises, 15e du Tour de Catalogne, qui ici s'est jaugé un petit peu, puis finalement personne ne l'a accompagné. On s'est relevé et on va laisser à nouveau filer cette échappée. 51 km de l'arrivée, 1 minute 30, on laisse un petit peu de vie encore, alors qu'on a vent de côté sur cette portion et qu'on aura vent de face tout à l'heure pour remonter en direction de Charvieux-Chavagnes, remonter vers le nord. C'est important effectivement de le souligner, alors que les coureurs ont traversé Arcis, petite localité avant la traversée donc du village de Saint-Chef en Dauphiné, très très beau village d'ailleurs entre parenthèses, avec une remarquable abbatiale. Et voilà donc l'ascension de cette dernière difficulté du jour, l'ascension de Saint-Chef en Dauphiné, la patrie de Frédéric Dard bien sûr, dont un musée a été ouvert et inauguré, et puis la patrie aussi de la famille Seignier, hein, bien connue dans le milieu du cinéma. Très beau village de Saint-Chef en Dauphiné qui accueille donc aujourd'hui les coureurs, les 133 coureurs, puisqu'ils étaient 133 à prendre le départ de cette première étape à Charvieux-Chavagneux il y a quelques quarts d'heure. Toujours donc une nouvelle cassure maintenant en tête de course. Vous voyez que les hommes de tête sont dans la difficulté. Derrière, on est sur le plat encore. Voilà donc les 6 coureurs de tête maintenant dans l'ascension de cette côte classée en 3e catégorie. Et c'est la côte de Saint-Chef, 3e catégorie. Ça veut dire qu'on va attribuer donc un nombre de points bien entendu supérieur aux côtes précédentes qui étaient classées elles en 4e catégorie. Avec une montée sèche, 2,5 km, 6% de pente moyenne, mais on le voit ici, là, quand je dis 6%, c'est bien la moyenne. Ici, ouais. on le voit, hein, les coureurs qui butent un peu dans la traversée de Saint-Chef, toujours 1 minute 30 d'avance, 50 km de l'arrivée. Et là, c'est vrai que le seul objectif hein, de cette échappée, c'est vraiment d'aller se disputer les points au sommet. On va rappeler hein, sur les sprints précédents que Jordi Warlop était passé en tête du côté de la côte de l'étang de Rie, que Pepijn Reinderink était allé chercher les points sur la deuxième ascension répertoriée du jour, et ici donc troisième et dernière opportunité de la journée pour aller marquer les points. On fait le travail en tête du côté pour l'instant d'Artiem Schmidt, l'américain de la formation Hagens-Bermann, alors que du côté du peloton on attaque fort également cette ascension sous l'impulsion des coureurs de la formation DSM non représentés à l'avant, alors que chez Soudal Quickstep on a vraiment des fourmis dans les jambes, parce que outre la présence de Reinderink à l'avant, et bien derrière on voyait beaucoup de coureurs qui essayaient de sortir. On avait encore deux représentants hein, de cette équipe qu'on avait vu se porter aux avant-postes, et ça me fait toujours rire de voir les assistants dans ces ascensions. C'est vrai que c'est le moment privilégié pour passer les bidons, mais pour certains coureurs, pas sûr qu'on ait la force de tendre le bras pour en attraper un au moment où les coureurs se dressent sur les pédales pour aller chercher les hauteurs de Saint-Chef. Voilà, tout à fait. Nous rapprochons bien sûr du sommet de cette dernière difficulté. Dans un kilomètre, les 6 hommes de tête seront au sommet. Il est à noter que Jordi Warlop, qui était passé en tête au sommet de l'étang de Rie, n'est plus dans l'échappée, hein, n'est pas dans cette échappée. C'est dire que Reinderink a toutes les chances de pouvoir marquer des points pour le classement intermédiaire du Grand Prix de la montagne, tout simplement. Maillot violet de la CCI Norisère. Et pourquoi pas, effectivement, marquer un maximum de points, sachant que dans cette dernière difficulté du jour, l'homme de tête, l'homme qui passera en tête au sommet, marquera 6 points, le deuxième 4 points, le troisième 2 points et le quatrième enfin un petit point. Vous voyez, donc, côte de troisième catégorie, il y a 4 coureurs qui entrent dans le classement du Grand Prix de la montagne, alors qu'il n'y en avait que 3 pour les côtes précédentes classées en 4e catégorie. Voilà les coureurs donc au dernier kilomètre de cette difficulté, de cette ascension. La côte donc la côte de Saint-Chef en Dauphiné. Ah, c'est un petit peu compliqué ici du côté de la formation
Soudal Quick-Step. Alors, on est à quel niveau? On est au deuxième échelon de la course, invisiblement. Alors que Federico Savino donc, est en train d'être distancé. Il avait tenté de sortir visiblement intercalé. Et à l'avant de la course, moi j'étais assez épaté par le coup de pédale d'Artiem Schmidt qui vraiment emmenait ce groupe de tête, emmenait eh bien, cette volonté d'aller chercher les points. C'est lui qui assure toujours le tempo en tête avec en deuxième position les couleurs de la formation Agnes-Berman pour Jordan Abetz. En troisième position Joshua Gallagher. Pour l'instant donc c'est toujours l'Américain qui fait le tempo pour aller peut-être faire les points. Qui va surgir? Pepijn Reinderink a l'air très bien également. On va arriver au sommet de cette côte. Ça doit être le panneau des 500 mètres que l'on aperçoit ici à droite. Voilà, 500 mètres encore avant le sommet, avant les 6 points à aller chercher. Reinderink qui se retourne. C'est vrai qu'il ne faudrait pas trop se regarder, voir revenir le peloton pour aller chipper les points. Nous, en revanche, on voit que les Isérois sont sortis sur le bord de la route dans cette côte de Saint-Chef pour encourager les coureurs. Et Reinderink qui reprend le relais, justement, avec juste dans sa roue le coureur danois de la formation Inox, Niklas Egg. Et on s'observe beaucoup pour les points. La formation Alcov Kasper, représentée par Michael Boros. On essaie de récupérer un petit peu du côté américain. Il doit rester 300 mètres. Et c'est véritablement l'enjeu pour cette échappée d'aller chercher le maillot distinctif de meilleur grimpeur. Oui, tout à fait. Hein. Sachant que Niklas Egg aussi est intéressé par ce classement, puisqu'il était troisième du premier classement au sommet de l'étang de Rye. Et Reinderink est sorti pour aller faire les points pour la formation Soudal Quick-Step Développement. Voilà, pour aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur, Pepijn Reinderink. Cinquième d'étape déjà l'année dernière hein, sur l'Alpizer Tour. Eh bien ici, on ne va pas pouvoir lui contester. Il va aller chercher les 6 points et le maillot de meilleur grimpeur, à condition de finir l'étape. Évidemment, on n'en doute pas trop, on lui souhaite. Niklas Egg passe en 3ème position, juste entre. On avait notre Américain Artiem Schmidt, et derrière, eh bien, tout le monde tient bon, tout le monde accroche la roue, toujours 1 minute 25 d'avance, et un premier maillot distinctif qui est joué sur cette première étape. Exactement, effectivement. On peut d'ores et déjà dire que Wester Reinderink, s'il termine bien sûr, et on va le lui souhaiter, cette première étape, en portera effectivement le maillot violet et il portera ce maillot de la CCI Norisère ici à Charvieux-Chavagneux, terme de cette première étape longue, je le rappelle, de près de 146 km. On revoit le ralenti sur les hauteurs ici, comme on est sorti presque trop facilement pour Wester Pepijn Reinderink qui est allé chercher les points, je ne vais pas dire sans difficulté, il fallait emmener le braquet sur les hauteurs, mais les 6 points sont pour lui. Niklas Egg prend 4, Jordan Schmidt en prend 2, Jordan Abetz en prend 1, et Pepijn Reinderink repartira donc ce soir bien couvert avec au moins un maillot distinctif. Voilà, et 10 points dans la musette. 10 points dans la musette, et à noter, parce qu'il me semble qu'on a un classement de la combativité qui est plus qu'un classement de la combativité, c'est presque un classement du combiné, vu qu'on va réunir finalement les points marqués dans les sprints, les points marqués sur les différentes ascensions. Donc là aussi, on pourrait peut-être exister de cette façon pour Reinderink qui gentiment vient pousser Michael Boros pour le remettre dans les roues. Donc on se balade un peu pour l'instant alors que l'on traverse la commune de Moncara. Voilà, tout à fait. Donc Moncara, c'est le pied de la côte en fait de Saint-Chef quand on la prend de l'autre côté. Et donc on va dire que les coureurs en ont pratiquement terminé maintenant avec cette descente, puisqu'ils vont rejoindre Saint-Savin. Et à Saint-Savin, il leur restera précisément 41 km, moins d'une heure de course, donc pour rejoindre la ligne d'arrivée ici tracée à Charvieux-Chavagneux. Une belle étape, une belle première étape, Lilian. On peut dire qu'effectivement, on retrouve des routes norisèroises ensoleillées. Ça fait plaisir de voir effectivement ce climat sans trop de vent, une bonne température pour pouvoir disputer ce sport cycliste que l'on affectionne.
Oui, avec ces six coureurs qui vont être sur des portions maintenant particulièrement rectilignes jusqu'à Saint-Savin. Longue ligne droite, faux plat descendant pour l'instant qui va les ramener ensuite vers un dernier changement de direction. On reprendra vers le nord. Pour l'instant, c'est vent un petit peu de côté sur cette portion descendante. Les derniers écarts communiqués qui sont de l'ordre d'une minute 10 avec le peloton, alors qu'un groupe semble s'être intercalé en tout cas au deuxième échelon de la course, mais nos six hommes de tête qui continuent de collaborer à la perfection avec ces longues portions rectilignes. Il va falloir rester vraiment groupé. C'est tout à droite maintenant pour ces coureurs qui continuent leur marche en avant. Oui, tout à fait. Hein. En tout cas, ce que l'on constate aisément, effectivement, compte tenu du climat qui a régné sur la région norisérois, c'est que l'Alpizer Tour est devenue la course des grandes herbes. Hein. Il y a vraiment, vraiment des herbes qui sont impressionnantes sur les bas-côtés de la route. C'est vrai que quelquefois, les coureurs allergiques au pollen en sont les victimes. On le voit souvent sur des épreuves comme le Tour de Romandie ou le Critérium du Dauphiné. Mais là, c'est le même style hein, de course. Et ça fait plaisir de voir tout un tas de maillots qu'on retrouve dans les épreuves donc de classe 1, notamment donc ces grandes épreuves par étapes qui précèdent le Tour de France. Et c'est le cas d'Oscar Honley hein, que l'on retrouve de temps en temps également dans l'équipe World Tour de la DSM, puisque le Britannique a justement, tu parlais du Tour de Romandie, eh bien, il y avait pris une cinquième place d'étape et le voilà intercalé avec un petit geste. Alors on doit être dans la zone de délestage, on rappelle, hein, vous l'avez vu jeter ses déchets, donc on a maintenant des zones depuis quelques années, des zones particulièrement bien délimitées où les coureurs peuvent jeter leurs déchets, des zones qui seront nettoyées ensuite. Donc ne soyez pas surpris de voir ce geste qui, en dehors de cette zone, est bien interdit. Et le coureur s'expose à une amende s'il jette ses déchets dans la nature. Et c'est bien normal donc d'être puni tout simplement pour ce geste. Ici, c'est pas le cas. C'est la zone qui est prévue pour des zones poubelles, entre guillemets, sur le parcours. Donc pour que les coureurs puissent se délester. Nous, on retrouve nos six hommes de tête avec 45 secondes sur Oscar Honley qui fait un bel effort solitaire intercalé. Lui qui avait brillé sur une étape du Tour du Val d'Aoste, troisième d'un Tour de Croatie et qui a évolué à 45 secondes de retard. Le peloton à 1 minute 10 alors que l'on se rapproche de Saint-Savin. Oui, tout à fait. Honley fait vraiment un numéro là en ce moment. Hein. Tout seul face aux éléments naturels. Mais c'est vrai que c'est Honley ou... Hein. C'est Honley qui roule fort derrière ces six hommes de tête avec toujours Abetz, avec Golliker, avec Niklas Hegg, Reindering, Michael Boros, Artiem Schmidt. Ces six coureurs qui continuent d'avancer toujours aussi fort, prennent leur relais. Mais Oscar Honley, eh bien, qui finalement en solo arrive à aller au moins aussi vite qu'eux puisqu'il parvient pour l'instant à réduire un petit peu cet écart. On va voir ce qu'indique l'ardoisière à l'heure actuelle. Nous, on avait 45 secondes. Alors, j'ai pas pu apercevoir, mais en tout cas, visiblement, les coureurs se sont rapprochés, ont plissé les yeux pour voir. Ah oui, attention, ça se rapproche. Il faut en remettre une petite couche pour conserver une marge de manœuvre, même si c'est vrai que les principaux points, les principaux enjeux de la journée, notamment avec ces Grands Prix de la Montagne, sont passés. Eh bien, on va essayer de continuer un petit peu cette aventure pour ces six coureurs de tête. Tout à fait. Donc, concernant les classements interbénières, il nous reste effectivement les sprints, et notamment le dernier qui sera à 30 km de l'arrivée, tracé dans la localité de Saint-Marcel-Bel-Accueil, un beau nom d'ailleurs pour une commune du Nord-Isère, Saint-Marcel-Bel-Accueil. Donc, ce sera la prime des balcons du Dauphiné. Et le dernier sprint de la journée, il y en aura eu trois, comme les classements d'ailleurs comptant pour le Grand Prix de la Montagne. Voilà, donc on assiste ici au solo de Honley. Et Oscar Honley, donc, qui a... Ici, relance sur ce léger faux plat montant, alors que l'on va retrouver, quelques mots effectivement avec les collectivités partenaires, puisqu'on a de temps en temps quelques petites coupures réseau. Vous le voyez, on passe par le réseau téléphonique hein, tout simplement pour vous proposer ce live. On va donc, avant de retrouver la meilleure qualité possible, retrouver quelques mots des collectivités d'accueil. Les Balcons du Dauphiné, c'est une intercommunalité de 47 communes et d'environ 80 000 habitants. Les élus ont décidé de travailler à un projet de territoire ambitieux et à la définition de politiques publiques assumées.
La mise en valeur et le développement des Balkans du Dauphiné passent aussi par le soutien aux événements d'envergure qui assurent une promotion au-delà de nos limites territoriales avec l'appui fort des services de l'intercommunalité. Dès le début de la mandature 2020, nous avons fait le choix de nous rapprocher de Michel Bopp pour définir un partenariat avec l'Alpes-Isère Tour. En effet, nous avons pu constater que la première étape traversait majoritairement les communes des Balkans du Dauphiné, c'était donc une évidence. Des plaines, des talus, des côtes, les participants entameront cette course avec une proposition de tracé variée. Cette année d'ailleurs, et sans trahir l'organisation, pas moins de 17 communes du territoire seront traversées sur une centaine de kilomètres. Dans le cadre de l'événement, nous renforçons notre partenariat en mobilisant l'Office de tourisme intercommunal. Des lots et des offres packagées seront proposés lors de la tombola organisée à cet effet. Une belle manière pour l'ensemble des participants de découvrir ce bout de Nord-Isère. Et puis les Balkans du Dauphiné ont obtenu le label Terre de Jeux 2024, une opportunité de créer ensemble une histoire collective autour du sport, coordonnant des projets publics et privés, comme la réhabilitation d'une rivière naturelle pour les équipes de kayakistes. Nous avons à cœur de mettre à l'honneur le sport et toutes ses valeurs, et placer par ailleurs le vélo et ses usages au cœur de nos politiques publiques, qu'elles soient économiques, de mobilité ou touristiques. Nous croyons en la dynamique que peut générer l'Alpes-Isère Tour et nous tenons dès à présent à féliciter tous les bénévoles qui s'impliquent pour que cette course soit une fête au-delà de l'effort fourni par les coureurs. Merci pour cette mise en lumière, merci l'Alpes-Isère Tour et très belle édition 2023 et à très bientôt au Balcon du Dauphiné. Eh bien, nous, on a envie de dire merci aussi à Monsieur Brenier, président de la communauté de communes des Balkans du Dauphiné, territoire qui nous accueille aujourd'hui pour cette première étape traditionnelle dans les Balkans du Dauphiné, qui aborde maintenant, Jean-Claude, déjà ses 40 derniers kilomètres. Exactement, oui, moins d'une heure pour rejoindre la ligne d'arrivée. C'est le programme donc réservé aux coureurs et puis à vous aussi, spectateurs. On va peut-être, Lilian, faire le point donc des sprints intermédiaires. Parce qu'il y avait des sprints et à chaque sprint, il y a des bonifications. Il serait intéressant peut-être de donner quelques informations sur les deux premiers sprints. Oui, puisque Michael Boros était allé chercher les points et les 3 secondes de bonification dans la traversée de Saint-Victor-de-Morestel au kilomètre 57. Donc de précieux points pour le classement des sprints intermédiaires. Victor Jean prenait 2 points, Mylène Gazdec prenait 1 point. Des coureurs qui étaient dans l'échappée tout à l'heure, qui n'y sont plus. En revanche, du côté du sprint en or disputé au kilomètre 72, eh bien Jordan Abetz est allé chercher 4 points, il est toujours à l'avant de la course. Artiem Schmidt a pris 2 points, Michael Boros avait pris le dernier point, Michael Boros est bien lui toujours dans l'échappée, ce n'est plus le cas de Victor Jean. Ce n'est plus le cas de Kladek, mais Michael Boros, donc, qui doit être en tête de ce classement maintenant avec 4 points. On attend les dernières informations pour les différents sprint classements. Et puis, il y aura les points à l'arrivée également pour le maillot distinctif. Un vainqueur aujourd'hui qui repartira avec plusieurs maillots puisqu'il sera logiquement premier leader de l'Alpes-Isère Tour, qu'on aura les points du classement du meilleur sprinter également. Voilà pour ce qui attend les coureurs. Alors que pour la situation de course, alors qu'on est plus qu'à 25 km du premier passage sur la ligne, attention, dans 25 km, les coureurs seront dans Charvieux-Chavagneux pour les 3 dernières réalisations. Eh bien, le groupe de tête est toujours à 6. Michael Boros, Nick Lasseg, Jordan Abetz, Artiem Schmidt, Pepijn Rendering, Joshua Golliker, qui prend un petit raccourci ici sur la gauche, qui a vu juste et vient se repositionner à l'avant de ce groupe. Ouais, et qui provoque d'ailleurs une petite cassure. Donc, il faut effectivement faire un effort pour assurer la jonction avec les 4 hommes de tête. En ce qui concerne donc le classement au temps, si je ne me trompe pas, Lilian, Boros donc aurait à mon avis 4 secondes de bonification, d'accord, et Abetz 3 secondes. Ces deux coureurs sont toujours dans cette échappée. Tout à fait, donc ça signifie que non seulement si l'échappée va au bout, eh bien ils auront un petit temps d'avance sur leurs camarades, scénario qui reste peu probable, mais s'ils terminent dans le peloton, eh bien mine de rien, ils iront chercher un beau classement général, puisque si on en termine en sprint massif et que tout le monde a le même temps, eh bien finalement, le jeu des bonifications se mettra en place, donc on pourra aller chercher une deuxième, troisième, quatrième place du classement général ce soir. C'est des secondes précieuses quand on voit finalement à quoi se joue un Alpes-Isère Tour. On rappelle la saison dernière, ça s'est joué à rien entre Yanis Voisard et Romain Grégoire, malgré les difficultés du week-end, un écart à l'arrivée qui était de moins de 10 secondes.
au classement général. Donc finalement, chaque petite bonification a son importance. Oui, tout à fait. Et ça roule très fort en tête hein, maintenant. On est à une moyenne supérieure à 46 km/h. Vous voyez que ça va très très vite hein, dans cette échappée. Et vous constatez, comme nous-mêmes ici au poste de commentateur, donc, que les relais tombent de façon très régulière. On s'entend à merveille dans cette échappée dont vous découvrez bien sûr la composition avec des maillots qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir hein, dans les courses Pro Tour notamment. Et c'est tout l'avantage de cette épreuve et de ces épreuves 2.2 UCI de voir des maillots, ben, des maillots qu'on connaît, c'est celui par exemple de la Groupama, mais des maillots que l'on découvre comme celui de la formation Elkhoff. Et ça, c'est vraiment tout à fait intéressant de découvrir donc toutes ces équipes venues pour la plupart de l'étranger. Ce que je dirais, moi, à titre, mais alors tout à fait personnel, c'est... Oulala, tu prends des risques. Je prends des risques, mais je m'y engage. C'est qu'effectivement, au niveau des formations françaises, je suis un peu déçu de ne pas avoir toutes les formations françaises présentes dans une épreuve de ce niveau, mis à part bien sûr au niveau des Conti, la Groupama, Nantes Atlantique, mais il y a d'autres équipes qui auraient pu participer à cette 32e édition de l'Alpes-Isère Tour. Oui, alors c'est vrai qu'on aurait pu et on a déjà accueilli des équipes comme Saint-Michel, Mavic-Aubert 93, habitués des classes 2. C'est vrai que le calendrier est particulièrement chargé pour ces équipes. On est obligé de faire des choix et malgré tout, eh bien, un beau plateau hein, que l'on a sur cette Alpes-Isère Tour. 23 équipes, c'est assez remarquable, qui ont répondu à l'appel finalement de l'organisateur, répondu à l'appel du Code Nîmes pour participer à cette épreuve. Et parmi elles, eh bien, des maillots, je ne parle pas d'équipes que l'on connaît parce que ces équipes développement sont peut-être un peu moins connues du grand public, mais les maillots, vous les connaissez, la DSM, la formation Enox, l'équipe Alpecin, la Quickstep, l'Auto Destiny, ce ne sont que des équipes développement qui finalement sont les réserves d'équipes World Tour et qui viennent finalement apporter de sacrés talents sur les routes de l'Alpes-Isère Tour. Donc c'est vraiment un bonheur de les accueillir, comme c'était un bonheur d'avoir jusque-là intercalé Oscar Henley, qui selon les écarts est toujours intercalé, mais qui s'est retourné, qui semblait hésiter quand même à voir si ça valait vraiment le coup d'accentuer l'effort, puisque le peloton n'était pas très loin derrière lui. Et en revanche, l'échappée, elle commence à creuser un petit peu plus, puisque Rendering ici prend son relais. Habetz en deuxième position pour la formation Hagen-Bermans, avec également dans ce groupe Golliker pour la Groupama FDJ, on le rappelle. C'est Schmidt pour la formation Hagen-Bermans. Ici, c'était Habetz juste avant pour la formation Metec. Niklas Egg pour la formation Inox. Michael Boros pour la formation Elkhoff Casper, Golliker qui reprend sa place à l'arrière avec Rendering, et ces six hommes qui finalement font mieux que résister, qui continuent de creuser un petit peu plus. Le dernier écart communiqué est de 1,45. Exactement, oui. Et on aperçoit là maintenant la ronde des directeurs sportifs qui viennent ravitailler, bien sûr, avant l'entrée sur le circuit final tracé ici à Charvieux-Chavagneux. Je rappelle donc qu'il reste 35 km, dans 22-23 km maintenant, ces coureurs seront sur ce circuit final. En tout cas, mon cher Lilian, j'apprécie beaucoup ta diplomatie pour moi. Donc, j'aurais aimé qu'il y ait deux ou trois équipes pro-team finalement, puisqu'il n'y a que l'équipe italienne Grid Project Bardiani CSF hein, présente aujourd'hui, une équipe qui porte des maillots verts et qui, entre parenthèses, n'est pas présente hein, dans l'échappée. Hein, c'est à signaler. On n'aperçoit que des équipes continentales UCI. Il n'y a que des coureurs professionnels en tête de course, mais des coureurs donc du troisième échelon, puisque les continentales UCI sont le troisième échelon du cyclisme professionnel actuel. En tout cas, bel effort hein, de ces six coureurs de tête qui ont vraiment réalisé une échappée tout à fait remarquable. Est-ce qu'ils vont rentrer en tête, Lyon, sur ce circuit d'arrivée ? Je leur souhaite et ce serait bienvenu de pouvoir les acclamer effectivement à l'entrée sur le circuit, alors qu'on nous annonce qu'Oscar Henley a visiblement été repris hein, par le peloton. Il n'y a plus de garçons intercalés, ça veut dire qu'on n'a plus que cette échappée finalement qui ouvre la route.
qui dans 20 km sera dans Charvieux-Chavagneux, et c'est vrai que ce serait une belle récompense de pouvoir finalement entrer dans cette localité, d'arriver toujours dans cette situation. Mais du côté des écarts, je vous avoue que ça commence à se tendre un petit peu là, avec une 30 écarts qui aussi qui a été remontée jusqu'à une 45. Bon, on va attendre de voir la situation. On a viré à droite et là ça va être vent de face maintenant pour les coureurs jusqu'à l'entrée sur le circuit, donc de quoi compliquer un petit peu la tâche également. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est important de le souligner. Le vent a un rôle considérable dans les courses cyclistes. Et les coureurs savent effectivement très bien d'où il vient et très bien comment il faut, je dirais, réagir et se protéger pour faire face au vent. Là, j'aperçois effectivement une voiture qui me paraît bien mal placée, tout près, ou en tout cas trop près de cette échappée de tête. Qui est à 32 km 600 maintenant de l'arrivée. Avec Ryan Derick, je crois qu'il était surtout descendu à sa voiture, qui avait un peu de mal à revenir, qui du coup en profitait peut-être pour prendre un peu l'aspiration de la voiture commissaire. Donc pour l'instant, Pepijn Ryan Derick, on le voit, hein, dès qu'on se laisse décrocher un petit peu pour aller à la voiture, il faut fournir cet effort, vent de face pour revenir dans les roues. Donc la tâche de cette échappée qui s'annonce bien compliquée, on commence à voir quelques signes, je ne veux pas dire de lassitude, mais c'est vrai qu'on voit qu'on est sur des portions toujours roulante, hein, la route est vraiment un billard, on est sur des grosses routes, mais le vent qui a son importance. Et voilà, Rendering qui attendait la voiture, cette fois-ci c'est bien la formation Soudal Quickstep et son directeur sportif qui est revenu à sa hauteur. Et donc pour l'instant, Golliker que l'on retrouve à l'image avec Michael Boros, Saint-Marcel bel accueil, nous y voilà avec un nouveau sprint intermédiaire qui va être disputé dans un instant. Oui, tout à fait. À 30 km de l'arrivée, 30.4 exactement, donc il reste 1,5 km avant que les hommes de tête se disputent la dernière prime de la journée, le sprint prime des Balcons du Dauphiné. Prime avec bonification, comme on vous le présentait tout à l'heure. Et dans, je pense, 20 minutes environ, les coureurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, entreront ici sur ce circuit final tracé dans la commune même de Charvieux-Chavagneux. Et il restera alors 12 km, 3 tours d'un circuit de 4 km. Voilà, donc on est en train d'effectuer les derniers ravitaillements pour les hommes de tête, comme d'ailleurs pour le peloton tout à l'heure. On n'a plus d'écart maintenant entre ces 6 échappés et ce qu'il reste du peloton. Ils étaient 133, donc s'il n'y a pas eu trop d'abandon, on doit avoir au moins 120-125 coureurs dans le peloton. 2,05 maintenant sur le peloton Lilian. Étonnant, hein, de voir effectivement que l'écart s'est creusé très rapidement, à mon avis. J'avais une 55 au dernier pointage et c'est vrai que ici c'est en train de remonter. Alors on va voir l'attitude de ces coureurs pour le sprint. Sprint un petit peu doux puisqu'il va apporter des points au classement des sprints. Jusque-là tout va bien. Et puis également une prime offerte par les Balcons du Dauphiné pour les trois premiers qui passeront et que nous aurons l'occasion d'accueillir à cette occasion sur le podium protocolaire tout à l'heure. La prime des Balcons du Dauphiné dans cette commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil pour six coureurs prêts à en découdre peut-être. Mais surtout, six coureurs qui creusent. Situation, tu le disais, Jean-Claude, étonnante, puisque au moment où il y avait vent de face, on aurait pu se dire, allez, c'est bouclé pour cette échappée. Et bien finalement, loin de là, c'est le peloton qui s'est un petit peu relevé et qui laisse un petit peu plus d'écart. Attention, donc pour l'instant, 31 km, 2,05, rien n'est fait, loin de là. Mais c'est vrai que la tendance est en train de tourner légèrement en faveur des échappées maintenant. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, je pense personnellement que cette échappée a toutes les chances de pouvoir entrer en tête sur le circuit final d'arriver ici à Charvieux-Chavagneux. Peut-être serait-elle rejointe dans les derniers tours, bien entendu, mais l'entrée sur le circuit qui maintenant est à moins de 20 km, 19 km très précisément, eh bien, ils ont toutes les chances de pouvoir voir en tête donc ce circuit final. Voilà donc, alors que va se disputer ce dernier sprint intermédiaire, cette prime offerte par les Balcons du Dauphiné. On pourrait retrouver Boros ou Abetz, hein, pourquoi pas, les deux stars 62-53 qui ont d'ores et déjà marqué des points et qui sont en queue d'échapper. Une position un peu surprenante alors que l'approche de la prime est
est tout à fait imminente. Et on se dresse sur les pédales déjà pour Artem Schmidt qui s'est fait chipper tout à l'heure les points de la montagne. Et bien cette fois-ci, il va aller chercher les points des sprints intermédiaires. Et derrière, attention, on rappelle que c'est Boros qui était en tête du classement provisoire. Abetz en deuxième position, 5 et 4 points respectivement pour ces deux hommes. Mais ici, on va laisser finalement les 4 points à Artem Schmidt et Michael Boros, l'air de rien, qui va aller chercher la deuxième place. De quoi lui permettre, je pense, d'aller chercher le classement des sprints intermédiaires. Donc un classement récompensé par le maillot bleu et également la prime, puisque les trois premiers remportent une prime offerte par la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Tout à fait, et je pense que Boros doit avoir, à mon avis, 4 et 2, 6 secondes de bonification globale. 6 secondes de bonification, c'est important parce que sur la ligne d'arrivée, je rappelle que le vainqueur donc comptera 10 secondes de bonification. 10 secondes de bonification, et c'est vrai que ça peut avoir effectivement ça peut avoir son importance. Michael Boros, donc je le rappelle, 6 secondes, ça n'est pas rien. Aujourd'hui, on est dans des courses qui se jouent à la seconde près. On n'est plus effectivement dans les années 50-60 où il y avait des quarts d'heure d'écart. Là maintenant, non, c'est plus le cas, alors qu'on revoit effectivement le passage de ce dernier sprint intermédiaire. Oui, avec effectivement Artem Schmidt qui vient chercher les points. Michael Boros va aller chercher a priori le maillot. Ça voudrait dire que pour l'instant, du côté du classement de la montagne, on connaît le leader. Je parle sous réserve, bien sûr, de vérification et de validation tout à l'heure par le jury des arbitres, puisqu'il y a évidemment des arbitres dans le cyclisme chargés de contrôler finalement ces différents classements. Donc Pepijn Reinderink serait meilleur grimpeur. Michael Boros irait chercher donc le classement des sprints intermédiaires. On attend la suite du tableau d'honneur. On attend la suite des images. Ce sera juste après les quelques mots du président du département de l'Isère, Monsieur Jean-Pierre Barbier. On est très fiers d'être partenaire de l'Alpes-Isère Tour. C'est une manifestation cycliste reconnue au niveau national, international, qui fait partie du calendrier. Ensuite, comme toujours avec le vélo, c'est un spectacle gratuit pour l'ensemble des Isérois. Et puis enfin, on peut compter sur Michel Baup et toutes ses équipes pour avoir un spectacle et une organisation de qualité. C'est pour ça qu'on est très heureux et qu'on est partenaire de cette belle manifestation. Le département soutient la pratique du vélo à plusieurs niveaux, bien évidemment en soutenant des manifestations cyclistes, comme le Tour de France, le Critérium du Dauphiné, le Tour de France quand il passe en Isère, bien sûr, les Échappées Belles, le Tour du Lac de Paladru, enfin bref, tout un tas de manifestations cyclistes que nous soutenons, parce que ça apporte du spectacle, parce que ça apporte de l'activité sur le département, et puis aussi parce que ce sont de très belles manifestations sportives. Et puis le département soutient bien sûr tout ce qui concerne le cyclisme par la création de pistes cyclables, et nous avons décidé sur ce mandat de doubler nos investissements dans ce domaine. Je suis très content que le vélo soit devenu électrique, parce que ça me permet de continuer sa pratique. Allez, retour sur une tête de course qui a toujours 2 minutes d'avance au moment d'entrer dans les 30 derniers kilomètres de l'épreuve. On va rappeler l'identité de ces coureurs avec Michael Boros pour l'équipe Elkhof Casper, qui emmène le relais maintenant pour la formation Metec Solarwatt de Jordan Abetz. On retrouve Artem Schmidt également donc à l'avant pour la formation Hagens-Bermann. Niklas Hegg est en 4e position. Joshua Göllicher en 5e. Pepijn Reinderink en 6e. Mais non, ce serait dommage de commencer à perdre un petit peu ses nerfs. On a vu la discussion entre Göllicher et Reinderink, visiblement parce que le jeune coureur de l'équipe Groupama FDJ ne voulait pas se repositionner ici. Ou alors, est-ce que Reinderink essayait de sauter le relais? Je n'ai pas bien vu. En tout cas, on a vu un petit échange qui n'était pas en tout cas des compliments pour l'un et l'autre. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'avec 2 minutes d'avance, il y a vraiment une réelle chance. Peut-être pas d'aller au bout, mais en tout cas dans les derniers kilomètres, de batailler pour conserver cette avance sur le peloton et aborder en tête donc le circuit final. Oui, tout à fait, effectivement. Il serait dommage que la bonne entente donc, qui semblait régner au sein de cette échappée, eh bien, cette bonne entente soit mise à mal dans les derniers kilomètres, alors que les coureurs traversent la localité de Panossa actuellement. Donc nous sommes, je le rappelle, dans les derniers kilomètres, puisque Panossa est à 27 kilomètres de l'arrivée. Ça veut dire donc à 15 km très précisément de l'entrée
de l'entrée sur ce circuit final de Charvieux-Chavagneux. Vous voyez qu'on se rapproche maintenant à grands pas de l'entrée sur ce circuit. Et on ne ménage pas ses efforts en tête de course. On ne ménage pas ses efforts, mais le peloton lui aussi, donc, même s'il ne semble pas réellement réagir, eh bien, maintient donc un écart situé autour des 2 minutes. 2 minutes, donc si effectivement les coureurs ont encore 2 minutes à l'entrée sur le circuit, alors qu'il ne restera plus que 12 kilomètres, ils pourraient entrevoir effectivement une victoire finale ici à Charvieux-Chavagneux, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je dirais que la course, elle va à mon avis se décompter dans ces 15 derniers kilomètres avant, qui précèdent pardon, l'entrée sur le circuit final de Charvieux-Chavagneux. On va voir quelle est réellement la position du peloton. Il y a certes en tête 6 échappés, 6 équipes différentes, 6 équipes professionnelles, une seule formation française, la Groupama. C'est vrai que c'est une belle échappée, Lilian, hein, qui nous est proposée aujourd'hui. Une belle échappée avec des coureurs de talent qui n'ont pas hésité à se dévoiler dès la première étape. C'est vrai qu'un garçon comme Jordan Abetz aurait pu attendre un petit peu plus tard dans la semaine pour se porter aux avant-postes. Eh bien non, dès cette première étape, dès le mercredi, eh bien on vient chercher cette première échappée. 2 minutes d'avance à 25 km de l'arrivée avec Abetz qui ferme la marche ici. Schmidt est juste devant lui. On vient reprendre le relais du côté de Niklas Hegg, le Danois. Le relais maintenant pour Pepijn Reinderink, le Néerlandais de la formation Soudal. Le relais de Joshua Gelliker, le Britannique de la Groupama FDJ. Artem Schmidt à son tour pour la formation Hagen Bermans. Jordan Abetz positionné juste derrière. Voilà des relais qui tombent rapidement, même sur cette portion descendante. Des relais les plus courts possibles pour aller finalement le plus loin possible. Oui, tout à fait. Hein. Et maintenant, on est nous allons entrer dans les 20 derniers kilomètres, dans la zone où il n'y aura plus de ravitaillement assuré, plus de, je dirais, d'information des directeurs sportifs, puisque les directeurs sportifs ravitaillent, mais informent aussi et donnent des consignes. Et cela peut effectivement être riche d'informations, mais peut-être aussi lourd de conséquences. Toujours donc 2 minutes, c'est l'écart entre l'échappée et le peloton. L'écart est maintenu en définitive depuis de très très nombreux kilomètres, pratiquement comme des métronomes, hein, finalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu ce cyclisme moderne qui nous présente donc des épreuves vraiment régulées où on voit des écarts maîtrisés pratiquement à la seconde près. Hein. C'est assez impressionnant de voir comment le cyclisme moderne a pu évoluer au fil des années. Oui. Bonne question de savoir si l'écart est vraiment maîtrisé de la part du peloton. Alors on les a un petit peu perdus de vue, hein, avec un écart de 1,45 hein, au dernier pointage. Donc on maîtrise, mais attention à ne pas trop prendre de risques, à ne pas laisser plus de marge maintenant. Il faut vraiment le réduire rapidement cet écart. Alors qu'on appelle la voiture, qu'est-ce qui se passe pour Artem Schmidt? Est-ce que c'est juste peut-être un dernier ravitaillement avant d'entrer dans ces fameux 20 derniers kilomètres où on n'aura plus le droit d'avoir l'assistance de son véhicule? En tout cas, pour l'instant, on continue ses relais avec Pepijn Reinderink pour la Soudal Quick-Step. Niklas Hegg est en deuxième position et le compteur de la moto à 50 km/h. Voilà sur ces portions plates. On le disait tout à l'heure, on était à plus de 46 km/h de moyenne. Eh bien, la moyenne ne va plus baisser maintenant au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'entrée sur le circuit final. Une entrée à prévoir dans une douzaine de kilomètres. Oui, tout à fait. Ça tombe très, très vite, effectivement, en tête de course. La question, Lilian, qu'on peut se poser réellement, c'est de se dire quel serait l'écart qu'il faudrait pour que cet échappé puisse rejoindre la ligne d'arrivée. Tu connais le théorème de Robert Chapat ? Je connais le théorème de Robert. Bien. Robert Chapat qui avait été pour les passionnés de cyclisme, hein, alors coureur cycliste, puis commentateur sportif, journaliste sportif sur les routes du Tour de France. Bon, on ne donnera pas l'année, ça ne va pas te rajeunir, Jean-Claude. Mais Robert Chapat qui nous disait tout simplement, c'est 1 minute par tranche de 10 km. Exactement. Donc il faudrait 2 minutes à 20 km de l'arrivée. Et si on n'y est déjà plus. Donc selon le théorème, on est mal parti.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que ce théorème de Robert Chapat, il est très souvent évoqué par les commentateurs du milieu cycliste. Hein. Je trouve qu'aujourd'hui, les choses ont quand même sensiblement évolué. Et quand Robert disait que c'était une minute tous les 10 kilomètres, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça va plus vite. Il faisait référence, effectivement, à un cyclisme des années 50, 60, Robert, et avec tout le respect, bien sûr, qu'on lui doit. Je crois qu'aujourd'hui, les choses ont sensiblement évolué et on voit des coureurs qui maintenant roulent à 50, 55, 60 km/h dans les derniers kilomètres. C'est vrai que on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les choses, là aussi, ont changé. Oui, et attention, encore une fois, dans les derniers kilomètres, à l'attitude, surtout des coureurs, on a trop vu finalement des coureurs s'observer, compter les coups de pédale et finalement condamner eux-mêmes leur échappée, alors que ici l'écart semble remonter à 1,50. On rappelle donc ces six coureurs qui sont en tête depuis un bon moment maintenant. Ils étaient sortis à une dizaine et puis on a été distancé pour 3-4 coureurs. Joshua Gulliker avait été distancé à un moment puis finalement revenu tout seul à la pédale. On le retrouve ici à l'image avec les couleurs de l'équipe Groupama FDJ Continental. Il fait une belle entrée en matière dans cet Alpizer Tour, mais à 22 km de l'arrivée, et bien l'écart de 1 minute 50 qui nous laisse pour l'instant dans le plus grand suspense à 10 km de l'entrée dans le circuit final, 10 km surtout du premier passage sur les lignes. Oui, tout à fait. 10 km, donc ça veut dire dans 12-13 minutes maintenant, on apercevra très certainement ces six hommes de tête sur le premier passage sur la ligne d'arrivée ici tracé à Charvieux-Chavagneux. Sachant que l'écart qui nous est communiqué est de 1 minute et 50 secondes. C'est-à-dire qu'effectivement, le peloton a repris quand même quelques secondes, mais pas suffisamment pour espérer revoir en moins de 10 km maintenant les six coureurs de tête. Donc, c'est une partie effectivement de manivelle qui se propose à vous. Et c'est une partie qui est vraiment passionnante. Je dirais que ce final, c'est deux morceaux, donc 10 km avant le circuit final d'arrivée, puis 12 km avec ces 3 fois 4 km dans ce dernier circuit. Et là, effectivement, ça sera une autre paire de manches, à mon avis, que les six hommes de tête vont devoir affronter. En tout cas, l'écart entre l'échappée et le peloton est toujours actuellement de 1 minute et 50 secondes. 1 minute 50 au moment d'entrer dans les 20 derniers kilomètres. Et avant effectivement ce final, on va peut-être faire un rapide topo sur ce qui nous attend tout au long de la semaine, puisque l'ensemble des étapes seront diffusées avec les 60 derniers kilomètres en moyenne que vous pourrez vivre sur les antennes de Télé Grenoble, sur la chaîne YouTube de Black Hole, notre agence qui réalise les images de l'Alpizer Tour. Vous pouvez retrouver également le signal sur Direct Vélo, sur Vélo Plus TV, la nouvelle plateforme de la Fédération Française de Cyclisme pour la diffusion et la promotion justement de ces épreuves. Donc rendez-vous et donnez les prochains jours. Demain, pour un début de streaming à partir de 14h, un début de diffusion pour la dernière heure et demie de l'étape qui arrivera à Fours. Rendez-vous vendredi également avec le début de la diffusion à 14h30. Prise d'antenne samedi également à 14h30 pour la quatrième et avant-dernière étape. Et puis on passera un petit peu plus de temps ensemble encore dimanche, puisque nous prendrons l'antenne à partir de 13h45 pour les 2h30 de fin de course, d'une fin de course qui se jugera à Saint-Pierre-de-Chartreuse pour le grand final de l'Alpizer Tour. Voilà, j'espère que vous avez tout noté. Nous, en tout cas, on y sera pour vous faire vivre cette édition 2023 de l'Alpizer Tour, dont la première étape entre déjà dans les 20 derniers kilomètres. Exactement, et dans moins de 8 kilomètres maintenant, ce sera l'entrée sur le circuit final pour ces 6 hommes de tête. Vraiment donc une belle échappée avec un passage de relais qui est parfait. L'entente semble effectivement excellente au sein de ce groupe. Il faut dire qu'ils ont peut-être tout intérêt à, disons, s'entendre et coordonner leurs efforts, parce qu'au bout de la ligne droite, il y a des victoires d'étape, il y a tout un tas
de maillots, et en particulier, bien sûr, le maillot jaune. Si cette échappée va au bout, ben, on est sûr et certain que le premier maillot jaune, il sera au cœur de l'échappée, bien entendu. Donc, c'est vrai qu'ils ont des intérêts communs, d'autant que pour déjà deux au moins des maillots intermédiaires, eh bien, ils ont à les défendre, notamment celui de la montagne, celui des sprints intermédiaires. Il faut, pour que ces maillots soient attribués, que les coureurs, bien sûr, franchissent la ligne d'arrivée. C'est ce que disait Lilian Pouillet tout à l'heure. Et c'est vrai qu'ils ont effectivement, je pense, des intérêts communs, à mon avis. Oui, à moins de 20 km de l'arrivée, une situation qui reste particulièrement intéressante. Je ne vais pas dire inattendue, mais c'est vrai que dans le peloton, alors les infos que l'on a, c'est que c'est l'équipe de Charvieux-Chavagneux qui emmène justement ce peloton pour tenter de réduire l'écart. Alors, bonne nouvelle pour tous les passionnés, notamment les locaux qui attendent leur équipe leader de pied ferme pour l'arrivée. Mais situation étonnante parce qu'on laisse finalement une équipe amateur effectuer le travail en tête de peloton, alors qu'il y a bien d'autres formations qui sont intéressées par la victoire d'étape, au premier rang desquelles la formation Alpecin de Koenig d'Andrew Ulige, vainqueur de la saison dernière justement de cette première étape. Donc pour l'instant, un scénario qui nous laisse en tout cas plein de suspense pour les dernières rampes, la remontée vers Charvieux-Chavagneux et dans 5 km donc le premier passage sur les lignes. Exactement, oui, que ça va quand même très très vite sur ce final d'étape. L'entrée sur le circuit d'arrivée doit s'effectuer donc aux alentours de 16h57, si les coureurs respectent cette moyenne de 46 km/h que nous avions actuellement. Je pense qu'on est tout à fait, on est tout à fait dans les temps, puisqu'il resterait 12 km, ils en soient 18, il leur reste donc 6 km 500 maintenant avant de rentrer sur le circuit d'arrivée. Avec le relais de Jordan Abetz, on rappelle donc pour la formation Metzek Solar Watch néerlandais de 21 ans, lui qui avait brillé sur le Tour des Carpates. On retrouve ici à l'image Artiem Schmidt pour la formation Hagen Bermans, le groupe AMA FDJ derrière sur les épaules de Joshua Gulliker. La Soudal Quickstep représentée par Pupin Rendering qui est maintenant quasiment assurée du maillot de meilleur grimpeur. Des relais qui tombent toujours aussi vite. J'ajoute à cette composition Niklas Egg ici à l'avant avec les couleurs de la formation NOX. Le relais juste à l'instant de Michael Boros, le tchèque de la formation Elkov Kasper. 1 minute 25, attention, c'est descendu d'un seul coup sur les dernières informations que nous recevons. En tout cas, les coureurs devraient entrer en tête sur le circuit, devraient passer la ligne donc dans cette situation de course. Et derrière, il restera dans les rues de Charvieux-Chavagneux et bien trois réalisations de 4 km à effectuer pour aller se jouer la victoire, la première victoire d'étape de cette édition 2023. Oui, autant dire que le peloton donc vient de réagir et de sérieusement réagir. Franchement, quand on voit que l'écart s'est réduit assez rapidement dans les derniers kilomètres que nous vous commentions, l'écart donc serait maintenant d'une 25, alors qu'il reste 5 km seulement pour que les hommes de tête puissent rentrer sur le circuit d'arrivée. Ben, je dirais que rien n'est fait. Et sur ces longues portions rectilignes, on imagine la souffrance des hommes de tête maintenant, toujours vent de face pour rejoindre Charvieux-Chavagneux avec Abetz, Gulliker, Schmidt, Boros, Egg et Rendering. Donc toujours installé au commandement, mais seulement 1 minute 20 selon le dernier écart communiqué maintenant, 1:20 à 17 km de l'arrivée, alors qu'on sent quelques gestes. Effectivement, je ne vais pas dire d'épuisement, loin de là, on n'en est qu'au premier jour de l'épreuve, mais de lassitude du côté de Joshua Gulliker qui prend des relais peut-être un petit peu moins appuyés. On a un gros braquet du côté de Michael Boros ici pour la formation Elkov Kasper. Abetz qui vient prendre son relais à présent et les coureurs qui vont entrer à nouveau dans Charvieux-Chavagneux. Charvieux-Chavagneux qui a accueilli le départ tout à l'heure à 300 mètres d'ici et qui va accueillir donc ce final exceptionnel qui nous attend sur les trois dernières réalisations, trois réalisations de 4 km. C'est le circuit final qui va s'ouvrir pour ces coureurs. Artiem Schmidt qui observe un petit peu ses compatriotes, qui essaie d'encourager peut-être ses camarades d'échappée pour tenir bon et essayer de continuer cette marche en avant. Voilà, donc les coureurs dans une
Les chères descentes, j'allais dire même un faux plat descendant qui précède l'entrée sur la commune, sur la localité de Charvieux. Et toujours donc cet écart qui ne bouge pas. Dernière information donc entre les six coureurs de tête et le peloton, une 25. Alors qu'on fait remonter maintenant les voitures d'épanage neutres. Nous sommes dans les 16 derniers kilomètres. Donc alors que les coureurs entrent dans Charvieux-Chavagneux, nous sommes à 4 km maintenant de ce premier passage sur la ligne d'arrivée ici à Charvieux-Chavagneux. Voilà donc un gauche-droite très difficile à prendre, en tout cas que les coureurs viennent d'aborder, parfois sur le bitume, d'autres sur le béton, mais en tout cas pas de bobos, pas de casse dans cette échappée. On a vraiment affaire à de véritables artistes hein, sur leur vélo. Et ces coureurs donc qui sont habitués, j'allais dire pratiquement au quotidien, à vivre ce genre d'épreuve, eh bien font merveille. Oui, avec ces six hommes de tête qui se rapprochent, c'est vrai que ça va être un final urbain. Voilà, le sport cycliste se pratique sur la voie publique et se pratique avec la situation réelle. Ces îlots que vous voyez ici au centre de la route, ces ronds-points, cela va jouer bien sûr sur le final de l'épreuve. Il va falloir être prudent, manœuvrer, et c'est là que cela peut jouer finalement en faveur de l'échappée qui arrivera peut-être mieux à manœuvrer ces difficultés sur la route. En tout cas pour l'instant, à 3 km du passage sur la ligne, les six hommes qui continuent de collaborer ensemble. Voilà l'entrée sur le circuit, ça veut dire qu'à partir de là, les coureurs peuvent prendre leur marque, ils repasseront ici. On reste sur des portions rectilignes, sur des portions relativement larges, de quoi accueillir un gros peloton tout à l'heure. Et ces six hommes maintenant à moins de 3 km du premier passage sur la ligne. Ouais, ça roule toujours très vite en tête de course et l'entente est toujours parfaite hein, au sein de cette échappée. Pas d'informations donc sur les écarts entre ces six hommes de tête et le peloton. Au dernier pointage, il y avait donc 1 minute 15 alors qu'on aperçoit le panneau indiquant l'entrée dans Charvieux-Chavagneux pour les six coureurs de tête. Donc panneau indiquant l'entrée de la ville de Charvieux. Toujours donc une 15 semble-t-il. J'ai quelques doutes hein, quand même. J'aimerais avoir des écarts beaucoup plus précis entre l'échappée et le reste du peloton, bien entendu. À mon avis, donc le théorème de Robert Chapat va peut-être effectivement s'appliquer. Sait-on jamais, il reste 14 km précisément, donc ça veut dire que les coureurs ont encore 2 km avant de passer sur la ligne pour une première fois, bien entendu. 2 km avant le premier passage sur la ligne. Et les dernières consignes pour Pepijn Reinderink. Je serais curieux de savoir ce qu'on se dit pour le directeur sportif de la formation Soudal avec alors un écart qui s'affiche de 1,25. Moi, j'avais 1,15 sur d'autres sources. Et on va déclencher les chronos, bien sûr, lorsqu'on les verra sur la ligne. C'est qui serait imminent. Et on voit le peloton avec les couleurs de la formation DSM pour emmener peut-être ce groupe, un peloton qui occupe toute la largeur de la route pour l'instant. 1,5 km du passage sur la ligne, le contour va afficher 3 tours encore à parcourir et l'attitude du peloton que nous allons suivre avec la plus grande impatience maintenant que nous avons retrouvé les images. Pour tout vous dire, on avait un tout petit souci de caméra, mais tout rentre dans l'ordre puisque l'on a maintenant ces deux groupes l'un derrière l'autre, toujours séparés d'un peu plus d'une minute. Voilà donc l'entrée maintenant sur, j'allais dire, la ligne d'arrivée finale. Donc les coureurs, vous le savez, donc vont virer à gauche, virage à 90 degrés donc pour entrer donc sur le secteur mairie de Charvieux-Chavagneux. Le peloton roule très très fort hein, derrière, emmené par les coureurs de la Bardiani, notamment les coureurs italiens, et ça va très très vite hein. Il nous semble que l'écart de 1,25 me paraît un petit peu important. J'ai l'impression que l'écart est moindre, mais il reste donc maintenant moins de 800 mètres pour que vous puissiez apercevoir sur la ligne d'arrivée les six coureurs de tête pardon, qui rentrent donc voilà le premier passage sur la ligne d'arrivée des six hommes de tête. Allez, ils ont effectué un bon bout de chemin ensemble. C'est Joshua Gulliker qui vient passer sur la ligne d'abord. On va
déclencher les chronos effectivement sur la ligne avec les images aériennes que l'on va retrouver également donc sur nos écrans pour l'ensemble de ces coureurs. Alors pour le peloton qui se présente maintenant, on va voir quel est cet écart réel maintenant à 12 km de l'arrivée. Le dernier écart communiqué était de 1,25. Et on le voit, hein, ce peloton qui doit faire face à ces îlots, à cette réalité du terrain sur lequel il s'exprime. Mais c'est vrai que finalement, pour l'échapper, ça va être un petit peu plus facile de manœuvrer dans ce final avec un écart qui sera en tout cas supérieur à la minute. On va voir où on en est du côté de notre fameux théorème. Mais pour l'instant, les échappés qui font mieux que résister avec ce virage très serré pour le peloton qui va bientôt revenir également sur la ligne. Et dans l'échappée, en tout cas, il faut plus regarder parce que tout est possible maintenant à moins de 3 tours de l'arrivée. Oui, tout à fait. C'est les coureurs de la Bardiani, c'est l'équipe italienne, donc les coureurs au maillot vert qui emmènent le peloton qui va se présenter lui à nouveau sur la ligne. Il y a, on va nous donner donc l'écart qu'il y a, l'écart réel cette fois entre l'échappée et bien entendu le peloton. Voilà donc sur la ligne maintenant. Top. Et 1,20, c'est l'écart qui s'affichait justement. 1,20, ça tient bon pour cette échappée avec un peloton qui s'étire quelque peu malgré tout à 3 tours de l'arrivée. Peloton qui s'étire mais ne rompt pas. On a vu effectivement se porter à l'avant les couleurs de la formation Green Project Bardiani, l'équipe 100% italienne qui emmène le peloton. 1 minute 20 à 12 km de l'arrivée. Il faut continuer sur cette lancée pour ce groupe de 6 parce que tout reste envisageable pour Jordan Abetz de la formation Metec, pour Artiem Schmidt de la formation Hagens Bernhard, pour Joshua Gulliker de la formation Groupama FDJ, pour Jordan Abetz pour la formation Metec, pour Niklas Egg de la formation Unox et pour Michael Boros de l'équipe Elkhoff Casper. 6 hommes installés en tête, 1 minute 20 à moins maintenant de 12 km de l'arrivée. Voilà, tout à fait. C'est vrai que le peloton est remarquablement emmené par Conforti, les Conforti Martinelli, Paletti, Scalco notamment, les coureurs italiens qui voudraient bien entendu revenir sur cette échappée parce qu'ils ont effectivement des références en matière de sprint et ils vont très très vite. N'oublions pas non plus la présence d'Alessandro Pinnarello au sein de cette formation Green Project Bardiani CSF. En tout cas donc l'écart, eh bien, Lilian nous le confirme, de 1 minute et 20 secondes. Lilian, c'est cela, 1 minute 20 secondes, alors que les 6 hommes de tête sont devant le panneau d'entrée Charvieux-Chavagneux. Et qu'il reste 10 km à parcourir, 2 tours et demi encore, 1 minute 20. Alors, du côté des Italiens, on a maintenant sorti l'armada hein, pour rouler dans cette équipe Green Project. Mais l'écart qui était d'1 minute 20, eh bien, pour l'instant, semble se confirmer en la faveur des 6 hommes de tête. À nouveau dans Charvieux, on en sort, on en revient et on y reviendra définitivement pour l'arrivée avec un petit temps de ravitaillement pour Joshua Gulliker qui profite d'une petite gorgée à moins de 10 km. Mais attention, encore une fois, il faut vraiment que tout le monde participe ici parce que ça roule très fort. À l'avant-garde du peloton, la formation Green Project et les premiers coureurs de la formation Alpecin de Koninck également qui viennent se repositionner à l'avant, peut-être pour mettre sur orbite le vainqueur de l'année dernière, Henry Ulich, qui s'imposait à Charvieux, qui vient se repositionner à l'avant, bien calé derrière ses coéquipiers. Et par rapport à l'image que l'on a vue il y a quelques minutes, eh bien le peloton était tiré. Tout à l'heure, il occupait toute la largeur de la route. Ici, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, ça roule tellement vite, effectivement, que la formation Bardiani étire le peloton, accompagné bien sûr de la Alpecin de Koninck. Et ces deux formations n'étant pas effectivement présentes à l'avant, c'est la raison pour laquelle on les retrouve en tête de peloton. C'est eux qui effectivement assurent l'essentiel du travail, alors que les 6 coureurs de tête vont revenir sur un groupe de coureurs attardés. Ce groupe qui est déjà maintenant à plus de 6 minutes des hommes de tête. Oui, c'est une information que l'on n'avait pas. Et effectivement, on a un groupe de coureurs qui ont été distancés un petit peu plus tôt. Alors, c'est un scénario qui était à envisager, à prévoir par l'organisation. On va gérer ça à la perfection. Mais c'est vrai qu'on a des coureurs qui sont retardés, qui du coup voient revenir dans leur sillage les 6 hommes de tête. On va leur laisser la voie libre en tout cas, respecter la sportivité de ce moment, puisque les coureurs vont revenir maintenant à 8 km
de l'arrivée. 8 km à parcourir. Les coureurs qui vont recevoir à nouveau l'ovation du public sur la ligne. On a de plus en plus de monde sur la ligne pour accueillir les coureurs avec ce groupe de 6 qui continue sa marche en avant. On va reprendre l'écart. Voilà, deux tours. Hein. Nous sommes à deux tours maintenant de l'arrivée, puisque je rappelle que le tour développe 4 km très précisément, alors que les 6 hommes de tête viennent de passer devant nous et très précisément sur la ligne. L'avant-dernier tour donc est commencé pour l'échappée. L'écart semble être maintenu. Non, l'écart s'est réduit à mon avis. Alors on est ici avec le groupe de coureurs distancés, attention. Ouais. Et c'est là que ça va jouer, parce que le peloton qui va peut-être pas y voir très clair non plus, on l'a ici le peloton. Donc les chronos qui continuent de tourner, on va les retrouver. Alors l'écart semble bien avoir diminué, on va voir précisément de combien. Ça fait 30 secondes que les échappés sont passés sur la ligne maintenant et on n'aperçoit toujours pas le peloton. Le voilà donc pour cette fois-ci le passage aux 200 mètres. Allez, l'écart qui sera peut-être d'une minute, mais pas plus. Et une minute à 8 km, le théorème tient bon, hein, attention, avec cette équipe Green Project qui tient bon, le chrono qui s'affiche justement sur l'écran, et le passage des coureurs, il y a toujours une minute, on a perdu que 20 secondes en 4 km. Et il en reste moins de 8. Hein. Et il en reste moins de 8. Ouais, il en reste moins de 8, je crois que le peloton va avoir quelques difficultés à rejoindre cette échappée matinale. En tout cas, vraiment, les coureurs, les 6 hommes de tête nous auront vraiment proposé un remarquable spectacle aujourd'hui tout autour de Charvieux-Chavagneux. C'est vrai que vraiment, on n'attendait pas un tel scénario ici. On pensait plutôt à une arrivée massive au sprint, mais il n'en sera rien, vraisemblablement. Alors qu'un coureur, donc, semble avoir quelques difficultés, à mon avis, c'est Arim Schmidt. Oui, c'est Arim Schmidt qui... Alors, soit il bluffe, attention à cette phase de course. On est en train de laisser partir Michael Boros et Jordan Abetz. Reindering qui se laisse décrocher également, moins de 7 km de l'arrivée. Ah, c'est dommage, il y avait encore une minute. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant pour cette échappée? Il faut tenir bon avec derrière le peloton qui ne va plus se relever. Reindering ferme la marche. Le peloton, là, on le voit clairement, hein, la différence d'allure. En tout cas, en la faveur du peloton maintenant. La tendance qui semblait bonne, mais ici, on a un round d'observation qui est pas au bon moment. Ce qu'on peut dire, Lilian, c'est que c'est plus l'entente cordiale qui règne au sein de cette échappée. Il y a peut-être trop d'enjeux, d'ailleurs, pour cette échappée. Je rappelle que, outre la victoire finale, il y a tout un tas de maillots, donc, et notamment le maillot de leader, le maillot jaune, mais aussi le maillot de la montagne, le maillot des points, etc. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'enjeux que peut-être ça perturbe l'évolution de cette échappée. En tout cas, j'ai peur que l'écart, alors que les hommes de tête sont au panneau indiquant Charvieux-Chavagneux, j'ai peur que les hommes de tête voient leur avance fondre comme neige au soleil. Eh bien, il va nous rester une dernière opportunité, en tout cas, de prendre l'écart sur le passage au son de la cloche, avec le sacré travail, hein, pour la formation Green Project lancée derrière cette échappée. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parlait de 7 minutes pour 10 km, mais maintenant, on a exactement le contre-exemple d'une échappée qui est en train peut-être de perdre gros dans le final, puisque au moment d'entrer dans les 5 derniers kilomètres de cette étape, eh bien, le peloton est en train de fondre sur les échappées. Je guette du côté de nos différentes sources d'informations pour voir l'écart. Le dernier écart est toujours celui qui était enregistré sur la ligne, qui était d'une minute. On va donc attendre encore un petit peu pour voir ce qu'il en sera sur le passage au son de la cloche. Exactement, oui, ça roule très fort, hein, au sein de ce peloton qui à nouveau reprend la largeur totale de la chaussée, toujours emmené donc par la formation Green Project Bardiani CSF, l'équipe italienne, et par les coureurs d'Alpecin de Koenig. Je rappelle que dans 1 km, nous allons entrer dans le dernier tour de ce circuit final. Vous allez entendre donc sur la ligne d'arrivée la cloche retentir. C'est la tradition dans les courses cyclistes. Donc ce sera le dernier tour. Il restera alors 4 km. Allez, 4 km, le dernier tour qui va s'ouvrir pour l'ensemble de ces coureurs.
avec bien sûr le retour de la tête de course. On va bien évidemment afficher le contour, sonner la cloche, on va leur indiquer hein, cette dernière réalisation. 4 km à parcourir, on est dans les 5 derniers, on n'a pas eu d'autres écarts pour l'instant communiqués. L'avantage sur un circuit comme ça, Lilian, c'est que les coureurs qui le font trois fois donc reconnaissent effectivement les abords de la ligne d'arrivée. Et c'est vrai que c'est assez important de repérer effectivement les abords de la ligne d'arrivée et la présentation effectivement de ce circuit final. Voilà donc les hommes de tête. À un tour de l'arrivée, maintenant la tête de course, donc à un tour du final, les chronos qui vont être déclenchés une dernière fois, les premières motos que l'on aperçoit au bout de la ligne droite. Ah, pour l'instant, on a toujours personne en visuel. Dernier tour à parcourir pour l'ensemble de ces athlètes. Ouch, c'était une minute. On avait perdu 20 secondes hein, dans la réalisation précédente avec une chute malheureusement qui vient perturber un petit peu le final de l'épreuve également pour le peloton avec justement un coureur de l'équipe Green Project qui emmenait jusque-là le retour des coureurs sur les lignes avec toujours quasiment 30 secondes en la faveur avec des cassures qui sont en train de se créer. Et attention parce qu'on n'est pas dans les 3 derniers kilomètres. On rappelle que si un incident arrive dans les 3 derniers kilomètres, eh bien on peut bénéficier du temps du groupe auquel on appartenait. Ici on n'est pas dans ce cas de figure et pour l'instant donc tout le monde eh bien, est en train de tirer la langue pour aller accrocher le bon wagon. Et toujours 30 secondes pour 4 km, ça va se jouer à rien. Ah oui, c'est vrai que là c'est un suspense total hein, qui est proposé par ces coureurs de l'Alpizère Tour. Vraiment un suspense étonnant d'ailleurs, qui effectivement de l'échappée matinale ou qui du peloton va avoir raison de cette première étape. Je rappelle la composition donc de l'échappée: Boros, Egg, Abetz, Schmidt il y a aussi donc Gulliger. Avec une offensive ici pour Pepijn Reinderink qui tente sa chance à 3 km du final. Lui qui va déjà revêtir tout à l'heure le maillot de meilleur grimpeur. Et bien pour la formation Quickstep Development qui emmène derrière lui. Donc Joshua Gulliger qui ne s'est pas laissé surprendre. On essaie de revenir pour Artem Schmidt qui laisse un petit écart. Abetz fait l'effort, Niklas Egg et intercalé également. Michael Boros ferme la marche. Je crois qu'on va reformer ce groupe de 6. Mais pour l'instant, donc une première offensive de ce coureur. 3 km de l'arrivée, un coup pour rien. On se regroupe à 6. Ah, mais ça désorganise un groupe de tête. Hein. C'est vrai que ces tentatives d'échapper comme ça, dans un groupe qui est limité à 6 hommes, ça désorganise. Et on sent que effectivement l'ambiance qui était parfaite hein, tout au long de cette étape ne l'est plus actuellement. Et c'est vrai que on sent que les coureurs veulent effectivement absolument aller chercher cette victoire finale ici à Charvieux. Mais l'enjeu est peut-être trop important. Et c'est vrai que vous voyez qu'on s'aperçoit que c'est vraiment maintenant, donc on est passé de l'entente totale à la mésentente et que certains coureurs donc s'en prennent aux autres. Notamment on aperçoit des gestes un peu maladroits de Wester Hendrick qui en veut à ses compagnons d'armes, à ses compagnons d'échappée. Et c'est Artem Schmidt hein, qui relance maintenant pour cette équipe Hagens-Bermann, l'Américain, 19 ans seulement. Et bien que l'on retrouve aux avant-postes, Boros en deuxième position, Reinderink en troisième, Egg en quatrième, Abetz en cinquième, Gulliger ferme la marche. Moins de 2 km et pour l'instant donc pas de nouvel écart qui a été communiqué. 1,6 km et là ça regardez ce round d'observation encore une fois. Reinderink, Boros qui se retourne. Alors est-ce qu'on se retourne pour observer ses compagnons d'échappée ou est-ce qu'on se retourne pour voir le peloton? Je ne suis pas certain que sur ces rues de Charvet-Chavagny on ait cette visue aussi loin sur le peloton. Tout dépend de l'écart bien évidemment qui était toujours de 30 secondes. Et bien on va voir ce qu'il en est avec le retour des coureurs qui vont entrer dans le dernier kilomètre. Et ça flingue effectivement hein, en tête de course, ça flingue de tous les côtés. Mais on n'en a malheureusement pas d'informations sur
sur l'écart entre les hommes de tête et le peloton. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont aller au bout. À mon avis, je m'engage peut-être. Voilà la flamme rouge. Donc, les hommes de tête sont à la flamme rouge, indiquant le dernier kilomètre de cette étape. Ça attaque à nouveau, donc en tête de course, bien sûr. Et pas de nouvelles donc de ce peloton et de la situation du peloton. On n'a aucun écart en temps, c'est bien dommage. C'est bien dommage, alors que c'est toujours Hendrik ici qui fait, on va dire, l'extérieur, hein, pour être plus précis. Toujours donc, voilà, les coureurs maintenant entrent dans Charvieux, bien sûr, mais surtout dans les contours précédant l'arrivée à la mairie de Charvieux. On doit être dans les 500 derniers mètres maintenant. Ah oui. Artem Schmidt avait relancé l'allure. Ah, faut plus regarder derrière là. Voilà, le sprint est lancé. Ça va le faire pour cette échappée avec Artem Schmidt qui ouvre le ballon. Le peloton est juste derrière, mais ne reviendra pas maintenant. Le sprint pour Pepijn Reinderink. Joshua Gulliker au milieu. Reinderink qui tient bon. Le retour peut-être de Jordan Habets pour aller s'imposer dans cette formation Metec. C'est fait pour Jordan Habets qui vient s'imposer et va devenir le premier leader. Le peloton qui échoue à quelques petites secondes derrière. Et cette victoire pour la formation Metec Solarwatt de Jordan Habets qui vient se déjouer de Pepijn Reinderink. Chapeau au jeune coureur Jordan Habets qui vient s'imposer ici. Victoire néerlandaise à Charvieux-Chavagneux après la victoire allemande la saison dernière. Jordan Habets qui aura parfaitement manœuvré dans ce final pour aller chercher la victoire dans cette première étape. On va avoir bien évidemment la suite des classements. Je crois que Reinderink ne fait que troisième au final, donc pour la formation Quick-Step Soudal Development, et que pour la formation Metec, on peut laisser exploser la joie, eux qu'on attendait peut-être plutôt dans la montagne ce week-end avec un garçon comme Ty DeLang. Eh bien, on va faire encore mieux, entrer en jeu un petit peu mieux que ça encore, avec la victoire de Jordan Habets dès cette entrée en matière, dès cette première étape. Jordan Habets qui empoche quand même au passage 10 secondes hein, de bonification, alors qu'il en avait déjà, à mon avis, 3 ou 4 cumulés au sein de ses premiers sprints intermédiaires. C'est dire que Habets va prendre, bien entendu, et ça c'est sans conteste, le maillot jaune de leader, le maillot du département de l'Isère, alors qu'on aperçoit ici des coureurs malheureusement lâchés. Ouais, et tout le monde doit faire la distance, hein. On le rappelle, les coureurs qui avaient été doublés tout à l'heure, qui doivent bien faire leur dernier tour également. Donc, alors que l'on avait revu les images au ralenti, et que a priori c'est Michael Boros qui est allé chercher la deuxième place, le Tchèque, pour la formation Elkhoff, et que l'on retrouvait donc finalement Reinderink seulement à la troisième position pour Gulliker. On a perdu un petit peu pied dans la fin de ce sprint, on s'est un petit peu trop tôt. Belle étape néanmoins pour le jeune coureur de la formation Groupama FDJ. Mais pour l'instant, le premier maillot jaune sera bien pour Jordan Habets. Alors, il y a l'équipe Metec qui nous a habitués, hein, bien sûr, à bien figurer sur l'Alpizer Tour. Mais c'est vrai qu'on ne les attendait pas sur cette étape. Chapeau. Chapeau à cette équipe néerlandaise qui fait la meilleure entrée en matière possible. Oui, c'est vrai que l'équipe Metec Solarwatt, effectivement, est à l'honneur aujourd'hui dans cette première étape avec un magnifique vainqueur, Jordan Habets, qui s'est échappé et parti très tôt. Hein, et c'est vrai que l'entente est restée bonne, on va dire, jusqu'aux 15 derniers kilomètres environ hein, au sein de ces 6 hommes de tête. C'est vrai que l'approche de l'arrivée ici à Charvieux a désorganisé l'échappée, c'est une évidence. Et ce qu'on peut dire en guise de conclusion, c'est qu'il y avait énormément d'enjeux, bien sûr, pour ces 6 coureurs de tête qui terminent avec peut-être 250 mètres d'avance sur le peloton. Vous voyez que le peloton est venu mourir carrément sur l'échappée, mais n'a pas pu les rejoindre. Et c'est vrai que le théorème de Robert Chapat, il s'applique aujourd'hui. Et c'est tout à l'honneur de celui qui
avait effectivement mis en place, ou en tout cas évoqué, ce théorème. Jordan Abetz qui sera donc premier leader du classement général. On espère avoir sa réaction tout à l'heure. On est parti le chercher pour avoir l'interview bien évidemment du Néerlandais avant de basculer vers la cérémonie protocolaire. D'ici là, on vous donne évidemment les premiers rendez-vous à suivre pour les journées à venir, puisque demain le départ aura lieu de Saint-André-le-Gaz. On prendra la direction de la commune de Four avec là aussi les derniers kilomètres qui seront diffusés. Donc juste avant l'interview du vainqueur, rendez-vous déjà pour demain, prise d'antenne à 14h, et juste avant la cérémonie protocolaire, on va réentendre les mots donc des collectivités d'accueil. Allez, on est toujours en direct de Charbieu-Chavagneux, finale de cette première étape de l'Alpizer Tour, remportée à l'instant même par un jeune néerlandais, Jordan Abetz, qui est allé chercher la victoire dans cette première étape de l'Alpizer Tour édition 2023. Victoire au sprint, un groupe de 6 coureurs qui aura su tenir bon, alors qu'on a encore des coureurs qui sont en train d'en terminer. Hein. Vous les retrouvez ici à l'image, un final délicat pour certains coureurs qui avaient été distancés. On a eu également une petite chute qui est intervenue dans les 10 derniers kilomètres. Donc final pas si simple à maîtriser pour certains coureurs, mais un final en tout cas majestueux, Jean-Claude, puisque c'est échappé à 6 coureurs qui a su tenir bon pour aller finalement se disputer la victoire tout simplement. Oui, exactement. En tout cas, la conclusion que l'on peut tirer effectivement, c'est que lorsqu'on s'entend parfaitement effectivement dans une échappée, on peut rejoindre une ligne d'arrivée, même si plus de 120 coureurs sont à vos basques. Et c'est ce que cette échappée, effectivement, riche de 6 coureurs, a pu montrer aujourd'hui, même si l'écart
finale est vraiment extrêmement minime, puisque je le disais tout à l'heure, il y a pratiquement 250 mètres entre l'échappée et le peloton derrière. Oui, sur le final, le peloton qui était vraiment sur le point de revenir, alors que vous voyez le classement provisoire qui s'affiche. Provisoire tout simplement parce qu'on va vérifier la photo finish, mais nous on est sûr de notre coup, avec Jordan Avetz qui vient s'imposer, Michael Brose est deuxième, Pepijn Reinderink prend la troisième place. Voilà pour le podium de cette première étape. Dans cette échappée, on avait également Joshua Gulliker qui vient finalement échouer à la quatrième place, le Britannique. Avec Ryan Schmidt, l'Américain, qui vient chercher la cinquième place. Niklas Hegg, également présent dans cette échappée. Le Danois de la formation Unox, qui vient finalement échouer à la sixième place. Le sprint du peloton qui est intervenu derrière. Est-ce qu'on n'a pas, Jean-Claude, finalement un peu trop tardé à mettre en route dans ce peloton? Puisque c'est vrai que d'un seul coup, alors qu'il restait 25 km, l'écart est monté à 2 minutes, alors qu'il avait été contrôlé jusque-là. On n'a pas trop compris l'attitude finalement des meilleures formations du peloton. Oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr que les équipes, notamment Green Project, l'équipe italienne Bardiani et la formation Alpecin de Koenig, qui n'étaient pas présentes d'ailleurs dans cette échappée, ont vraiment tardé à réagir. Mais c'est vrai qu'ils se croyaient peut-être trop beaux, tout simplement. Oui, c'est vrai que l'équipe Pro Team italienne, la Green Project, est allée... Donc finalement, emmener ce peloton dans les derniers kilomètres. Mais c'est vrai qu'au moment d'aborder les 15 derniers, on avait laissé même quelques équipes amateurs effectuer le travail. Donc finalement, on a un petit peu trop tardé à se décider à réduire cet écart. L'écart qui était de 1 minute 30 au moment d'entrer sur le circuit. 1:20 à 3 tours, 1 minute à 2 tours, 30 secondes au son de la cloche. Et finalement, cela a suffi pour aller s'expliquer avec la victoire de Jordan Avetz. On rappelle que Pepijn Reinderink, troisième de l'étape, et vient chercher le leadership du côté du classement de la montagne. Alors que l'on voit quelques images du départ. C'est vrai, une étape, Jean-Claude, qui a été courue à vive allure. On est sur l'allure haute, la moyenne haute qui avait été proposée, enregistrée dans le roadbook. Oui, exactement. Hein. On doit être à une moyenne supérieure à 46 km/h, à mon avis. C'est vrai que ce n'est pas une étape, je dirais, de grande difficulté aussi. Il faut être sincère et honnête jusqu'au bout. Il n'y avait que trois petites ascensions répertoriées. On va dire que c'était pratiquement du plat aujourd'hui. On s'attendait à un sprint massif parce que souvent, à Charvieux-Chavagneux, c'est un sprint massif qui est proposé aux spectateurs. Aujourd'hui, il n'en a rien été et s'est échappé, je dirais, à casser un petit peu la logique. Et c'est tant mieux. Oui, avec cette échappée qui était sortie, et on le revoit sur le ralenti, peut-être simplement avec l'idée d'aller chercher les différents classements annexes, que ce soit du côté du Grand Prix de la Montagne, que ce soit également du côté du classement par points. Et puis finalement, eh bien, une belle surprise qui s'est offerte à eux, puisque dans le final, on a pu aller se partager la victoire, les places sur le podium. Donc c'est tout bon, on revoit les images avec quelques primes également qui avaient été distribuées par la communauté de communes d'accueil. C'est des balcon du Dauphiné qui offrait donc les primes, le sprint en or qui a été disputé également, et finalement à la fin, eh bien, un Néerlandais qui gagne, on le rappelle, Jordan Avetz pour la formation Metec. On rappelle qu'on attend peut-être l'un des favoris ce week-end dans cette formation, c'est Taille de Langue, le Néerlandais qui avait déjà terminé 8e de l'édition 2022. Et bien dans cette formation Metec qu'on attend dans la montagne, et bien on les a retrouvés finalement d'ores et déjà dans cette première étape, avec une victoire assez inattendue, victoire néerlandaise de Jordan Avetz. L'année dernière, on rappelle les victoires d'André Ulich, victoire allemande à Charvieux. Cette fois-ci, c'est un Néerlandais que l'on attend, nous, à l'interview. On rappelle les rendez-vous à suivre pour les prochaines étapes qui seront, là aussi, diffusées pour ces 60 derniers kilomètres sur la chaîne YouTube de Black Hole, sur, bien évidemment, les différentes plateformes que vous connaissez, les réseaux sociaux de l'Alpizer Tour, et bien sûr, sur Télégrenoble, qui reprend notre signal, et on les en remercie, partenaires médias importants de Télégrenoble, qui nous permet eh bien de véhiculer, de promouvoir cette épreuve. On est également en direct sur Vélo Plus TV, la nouvelle plateforme de la Fédération Française de Cyclisme. Alors, on attend et on aimerait bien avoir la réaction, bien évidemment, du vainqueur, juste avant de rendre l'antenne, alors que l'on vous donne d'ores et déjà le rendez-vous et le parcours de l'étape de demain, puisque cette étape reliera les Vals du Dauphiné à la Porte de l'Isère, départ qui sera donné de Saint-André-le-Gaz
aucune excuse, il y a même le TER qui y va. Vous pouvez venir en train pour nous y rejoindre. On prendra ensuite la direction de Fours pour une étape qui ira déjà chercher quelques difficultés, puisqu'on aura la côte de Paladru, également le mur de Blandin qui sera au programme, la côte en direction de Biolle, la côte des Épars qui sera au programme, et à nouveau un circuit final, de quoi admirer encore une fois les coureurs. Oui, avec un départ, mon cher Lilian, Saint-André-le-Gaz, une arrivée à Fours. J'aime autant vous dire que ça va être très chaud demain sur les routes de l'Alpes-Isère-Tour. Très chaud parce que c'est vrai qu'on nous annonce du beau temps sur une étape qui sera longue de 145 km, on va dire, Lilian, même distance qu'aujourd'hui, mais avec des difficultés qui vont crescendo quand même. Des difficultés qui vont crescendo et un parcours que l'on retrouvera qui avait été pour partie emprunté par le Tour de France sur la il y a 2 ans de cela de mémoire qui allait chercher eh bien une partie du parcours autour du lac de Paladru notamment qui sera au programme effectivement de la journée de demain. On vous donne d'ores et déjà les rendez-vous à suivre puisqu'on sera dans l'Est lyonnais entre l'aéroport Saint-Exupéry et la commune de Colombier-Saunieu. Ce sera l'étape de vendredi, 174 kilomètres, 182 km nous attendent ensuite entre Monster au milieu et Saint-Maurice-l'Exil, entre Bièvre et Rhône et les contreforts du Vercors. Ce sera le programme de l'étape de samedi et puis il nous restera ce superbe final avec le triptyque de la Chartreuse, Porte, Cucheron, Granier, donc que nous retrouverons au programme de l'étape. Jordan Abetz qui nous rejoint frais comme un gardon, on va lui laisser une petite place. Déjà donc on a l'impression qu'il s'est douché. Jordan Abetz, donc vainqueur de cette étape, le Néerlandais. Jordan, that was expected. A win in the first stage. When you started the breakaway with 10 riders, did you expect to win this stage? Est-ce que c'était espéré quand tu es parti avec 10 coureurs au départ? Est-ce que tu pensais vraiment aller chercher la victoire d'étape? Not quite, to be honest. I was hoping to ride a bunch sprint today. When the red flag was dropped, I immediately felt the urge to start racing, and I guess I wanted to be in the early break more than I expected before the race. So then I found myself in the break with 11 riders, and I saw all the big teams were there except for Jumbo. So I immediately knew we had quite a good chance to stay away today, and yeah. Oui, Luc Koenig disait qu'au départ, l'initiative était plutôt d'aller faire les premiers sprints, d'aller chercher des points précieux. Puis finalement, quand on a vu qu'on sortait à une dizaine de coureurs et surtout avec les principales formations représentées, on a commencé à y croire, à appuyer un petit peu plus fort sur les pédales, à faire vivre cette échappée pour aller finalement s'imposer. We're waiting your team in the mountains at the end of the week, but with this yellow jersey, you have some work tomorrow. Il y a un peu de travail avec le maillot jaune à défendre demain, alors qu'on vous attendait peut-être plutôt dans la montagne ce week-end. I'm not expecting to defend the jersey until day 5, so I came here with the intention to try and win a stage, and yeah, my race already is has succeeded by now, so I think in the weekend it's more for the climbers. Thijs and Bart that we have with us also this week. So I'm not expecting to hold the jersey until Sunday. Olivier qui nous disait qu'il espère pas bien évidemment conserver ce maillot jaune, ce sera pas forcément son rôle, on va faire le nécessaire, mais c'est vrai que ce week-end ce sera peut-être pour d'autres leaders comme Taille de Langue, on en a parlé dans cette équipe, 8e du classement général la saison dernière, mais on va profiter de ce moment, l'objectif était d'aller chercher une victoire d'étape. What a good start for you, we're going to the official ceremony. Congratulations, Jordan, and thank you very much. Merci à Jordan Abetz, à vainqueur de l'étape. On va filer du côté du podium protocolaire, rendre l'antenne sur Télé Grenoble. Rendez-vous demain pour les 60 derniers kilomètres également. Pour le public de Charvieux, on reste avec vous. Pour tous nos téléspectateurs, merci énormément et rendez-vous demain.
reprise et on suivra l'ensemble des coureurs et la préparation d'un éventuel sprint, ce sprint qui doit y aller. Donc effectivement, et ce sont bien les couleurs de Metex de la Roite que l'on retrouve aux avant-postes avec Pierre Collet Junior et qui effectivement étire. Et avec également 6 points qu'il est allé chercher dans la côte du Val d'Isère, les meilleurs coupés de fois autour de Vité, la nervosité qu'on a ressenti. Romain Grégoire rejoindrait la ligne d'arrivée à reprendre tout cela alors qu'on aborde les 57 derniers kilomètres et qu'on prend un temps de ravir avec Mambour dans la dernière bouchée lourde à côté de groupe. Toujours il va être battu par un coureur de l'équipe AG2R. Si tout à l'heure pour la Bière Hôtel, on retrouve donc deux hommes forts et Sébastien Berwick s'impose à